Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis Tiphaine. Je suis Mathieu. On est les co-organisateurs du Startup Weekend Aix-Marseille. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en live sur YouTube. On espère qu'ils sont très nombreux à nous regarder. On espère aussi. Et re-bienvenue du coup à tous les participants qui sont aussi en live et qui ont fait du coup 54 heures de travail intense. Ah ouais, c'était intense. Et bienvenue du coup, re-bienvenue à tous. On a du coup un live sur YouTube, mais on a aussi un live du coup via notre propre plateforme. Donc pour les participants, n'oubliez pas, on vous dit la même chose depuis 54 heures. Allumez vos caméras, parce qu'en fait, nous on vous voit plus maintenant, on est un peu triste, mais le jury qui est en face de nous vous voit. Donc s'il vous plaît, allumez vos caméras pour eux. Ils ont vraiment envie de vous voir. Toujours. C'est toujours important de voir les visages des gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, toujours, pareil, ou d'écrire dans le chat pour toutes les questions, les problèmes techniques. Et surtout, n'oubliez pas de couper vos micros, parce que sinon, ça peut faire des gros problèmes. C'est ça, pour tous les chiens, les chats, les enfants qui sont derrière, coupez vos micros, s'il vous plaît. Et ça, c'est notre cri de guerre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre cri de guerre du Startup Weekend, on va le faire tous ensemble. Pour les jurés aussi, ils vont peut-être prendre un peu de dynamisme. En tout cas, ça va les motiver. On espère que tout le monde, tous les orgas vont crier avec nous. Donc, et le cri de guerre vous du Startup aussi, Weekend. Derrière vos écrans, bien sûr. Derrière vos écrans, n'hésitez pas. Là, vous pouvez mettre peut-être votre micro. Mettez vos micros. Mettez vos micros. Mettez vos micros. Juste là. On le connaît du coup depuis des années et pour vous depuis 54 heures. Notre cri de guerre, c'est Startup Weekend. Startup Startup Weekend. Ah, voilà. Oui, ça réagit, ça réagit. Ça fait plaisir. Mais du coup, on voulait déjà vous remercier et on va poser les micros pour vous applaudir. Exactement. Parce que, et tous, s'il vous plaît. Vous l'avez fait, quoi. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, c'était la slide d'après. Ils l'ont fait. Si elle veut bien, vous l'avez fait. Ben oui. Vous êtes venus. Vous êtes resté. Vous avez travaillé. Vous avez... Malgré les conditions, cette année, un peu difficiles. Donc, c'est encore, voilà, encore mieux. Enfin, on a encore envie de vous féliciter encore plus que d'habitude. C'est ça. Donc, bravo à tous. Vous nous avez fait rire. Vous nous avez fait bosser aussi très tard, jusqu'à 1h30, 2h du matin pour tout le monde. Ouais, ouais. Donc, on était ravis de rester avec... Oui, voilà. Avec Amandine aussi, en pyjama, hier soir, jusqu'à 2h du matin. On était là. On était là pour répondre aux questions des participants. Pour rappel, pour ceux qui sont en live sur YouTube, peut-être que vous connaissez Startup Weekend, mais peut-être que vous ne connaissez pas Startup Weekend. Donc, pour rappel, Startup Weekend, c'est une énorme communauté issue d'une entreprise qui s'appelle Techstars. Et donc, Techstars, c'est une communauté mondiale pour aider les entrepreneurs à se lancer. Startup Weekend Aix-Marseille, ça existe depuis 2010. Et donc, bienvenue, du coup, dans la famille, puisque maintenant que vous l'avez fait, vous faites partie de cette grande famille du SWAM. En quelques chiffres, le SWAM, depuis 2010, c'est plus de 1300 participants, 15 événements organisés depuis 2010 avec deux par an depuis 2014 et environ 50 startups créées, certaines qui ont explosé, d'autres qui malheureusement n'ont pas survécu, mais c'est la loi des startups. D'autres qui arrivent bientôt. On l'espère. On l'espère. Techstars, c'est plus de 350K alumni, 12 000 organisateurs et plus de 1300 villes. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque en ce moment, il y a le même Startup Weekend au Brésil. Exactement. Donc on dit bonjour à nos amis brésiliens. Je ne sais pas parler portugais. Oui. Voilà. Bon dia. Eh ben, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Boata. 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 Ouais, bon. Portugais. On l'a. Voilà, on l'a. Portugais brésilien. Merci à Franck. Merci Franck. Et pendant ce week-end, du coup, tous les participants, vous avez pu découvrir l'entrepreneuriat. Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas du coup ce qu'est l'entrepreneuriat, vous avez pu aussi apprendre de nouvelles compétences, on l'espère en tout cas, en échangeant en équipe et parce que c'est ça aussi un Startup Weekend, c'est une équipe. C'est ça. Vous avez pu, comme d'habitude avec deux « et », valider une idée. Parce qu'on aime bien les « et », valider une idée. vous avez aussi pu faire quelque chose qui vous effrayait avant, mais qui du coup, j'espère maintenant, ne vous effraie plus. C'est-à-dire oser. Oser, parler en public, faire de l'entrepreneuriat pendant 54 heures non-stop, vous l'avez fait. Voilà, c'était fou.
Ils ont réussi à rester concentrés, c'est ça le plus important. C'est ça. Vous êtes resté concentré sur une seule chose, presque, pendant 48 heures. Et sortir de sa zone de confort, donc ça c'est très important aussi parce que souvent un SWAM c'est quelque chose qu'on n'attend pas. On se rend compte qu'en fait ben, on est complètement en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire et ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. Est-ce que c'était ok pour tout le monde? C'était un peu notre cri de guerre, est-ce que c'était ok? On va peut-être revoir nos références parce que c'est vrai que Visiteur ça commence à dater un peu. Donc. Oui mais on l'aime toujours, on l'aime toujours, Jacouille. Les partenaires, parce que sans eux, on ne serait pas là. On n'existerait pas. Voilà. On n'existerait pas. Donc un grand merci à la Métropole Aix-Marseille-Provence, au Technopôle de l'Arbois. Nous sommes ici même au Technopôle de l'Arbois, donc je pense que peut-être il y a Frédéric Guilleux en live. Donc merci coucou Fred. Encore. Voilà. Et merci encore. On est super bien sur ta scène. Il fait un petit peu chaud, mais on est super bien ici. On est bien. Merci encore. On va remercier aussi du coup Smart Embed et Aiko, et on va laisser la parole. Donc on va commencer par Made in Soft. Si Alexandre est là, Alexandre Barthélémy. Je suis là. Bonjour à tous. Est-ce qu'on entend Alexandre? Oui, attends deux secondes. On entend Alexandre, mais pas très bien. Oui, ouais, c'est mieux. Un peu mieux comme ça, je vais monter le son. Donc, bonsoir parfait à tous. Bienvenue. Merci au Startup Weekend de faire cet événement et à toute l'équipe d'organisateurs. Donc Made in Soft, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est le rassemblement, le booster du numérique sur la région sud et plus précisément la métropole Aix-Marseille. Made in Soft, c'est quoi? C'est des commissions, bientôt une vingtaine de commissions qui réfléchissent sur des sujets très variés, qui vont de la blockchain au tourisme, à la legal tech, à la smart city, bientôt à la fashion tech, à l'humain dans la transformation digitale et plein d'autres choses. Et puis aussi des événements. Donc notamment le grand opening. Je ne sais pas si je le dis maintenant, mais on a la joie d'inviter tous les participants au Startup Weekend de cette année à participer au grand opening qui aura lieu le 23 septembre prochain à Marseille. Merci beaucoup. Super. On remettra encore la petite billetterie comme on avait fait il y a 2 ans. Donc le grand opening, mais aussi d'autres événements comme des plénières, comme des forums spécialisés. Donc par exemple le 1er juillet, vous avez à Sofia Antipolis le FeedMed Riviera qui va parler de financement des startups. On aura le FeedMed Provence au mois d'octobre, plutôt à Marseille sur les mêmes thématiques. Nous avons les Made in Job avec le dernier qui a eu lieu autour de l'alternance. On prépare un très gros événement sur l'emploi et sur les industries culturelles et créatives, pareil au mois d'octobre. Des événements aussi orientés autour de la solidarité, puisqu'on considère qu'on doit être ouvert sur la cité au sens noble du terme. Et donc, comme tous les ans, au mois de décembre, le Noël du digital, où on essaye de montrer que les acteurs du digital sont motivés pour aider ceux qui en ont besoin. Donc, voilà. Merci beaucoup. On parle tout de suite des cadeaux ou pas? On en parle après? Non, après. Ouais, après. Après, mais merci beaucoup. Et pour les participants, le grand opening, c'est un super événement pour networker. Donc, de manière générale, Made in Soft propose très régulièrement des événements auxquels les entrepreneurs doivent participer. Il y a plein de trucs qui sont super intéressants. Donc, en tout cas, suivez merci Made in beaucoup. Soft et encore merci beaucoup pour le partenariat parce que voilà, ça fait chaud au cœur en tout cas de vous revoir avec nous et d'être toujours là avec nous. Merci beaucoup. Je vais parler rapidement de Yoda puisqu'ils n'ont pas pu être avec nous ce soir. Yoda, peut-être en live. Peut-être en live, peut-être. C'est possible. En tout cas, s'ils sont là, bonjour à eux et merci encore. Donc Yoda Consulting, c'est 5 associés. C'est depuis plus de 20 ans des experts qui sont reconnus comme des spécialistes de l'accompagnement des entreprises innovantes, combinant expertise comptable et conseil en financement de l'innovation. Leur valeur ajoutée, c'est la complémentarité des équipes et la forte implication de ses associés connectés à l'écosystème de l'innovation, capable de répondre avec pertinence aux problématiques spécifiques de ces entreprises innovantes. Et enfin, Yoda Consulting vous accompagne dans l'élaboration de votre stratégie financière, vos recherches de financement à tous les stades de développement de votre société. Donc, merci encore à Yoda d'être partenaire du Startup Weekend. Ça nous fait plaisir aussi. N'hésitez pas à aller sur leur site yodaconsulting.fr si vous voulez en savoir plus sur eux. Et enfin. Et on laisse la parole, à l'accélérateur M, à Franck Arrojo, qui fait partie du jury cette année. Un, deux. Voilà, ça y est.
La voix est arrivée. Merci, merci Tiffaine, merci Mathieu, merci à toute l'équipe qui est là, mobilisée. Ça fait bizarre hein, parce que j'ai fait 5, 6 Startup Weekend en tant que coach et là de se retrouver du côté du jury, c'est assez marrant. Deux petits mots sur l'accélérateur M, jeune structure qui est arrivée dans le paysage il y a 2 ans maintenant, de manière opérationnelle, 2 ans et demi on va dire. Donc c'est une structure métropolitaine qui œuvre à accompagner de jeunes entreprises ou même de jeunes projets innovants sur 3 thématiques. Une thématique liée aux activités portuaires, maritimes, nautiques, une autre sur la smart city, l'économie circulaire, l'environnement et le développement durable, et une 3e thématique sur les industries culturelles et créatives. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons plusieurs programmes, un programme de maturation, on parlera des cadeaux après, et puis d'autres programmes, 2 autres programmes d'accélération et un 4e programme qui est cousu main, on va dire, qui est personnalisé. Et enfin, on fait aussi du soft landing parce qu'on a des partenaires accélérateurs éparpillés sur les continents, beaucoup au Canada, mais aussi en Afrique. Et l'originalité de la démarche de l'accélérateur M, c'est justement d'articuler tout l'accompagnement autour du coaching. Mais du coaching, le vrai, le coaching par des coachs professionnels certifiés, sans oublier bien sûr l'expertise et le mentorat. Voilà, partenaire pour la première fois donc, du Startup Weekend. Pourquoi ? C'est très simple, c'est que lors de notre première cohorte, on a eu un des tout premiers projets qui était sorti du Startup Weekend, comme quoi le Startup... Ouais, voilà, il est là, hein, donc Mathieu, Upside, Pimp Your Video. Pimp My Movie à l'époque, ouais. Voilà. Exactement. Et donc ça prouve bien que c'est pas que pour rigoler qu'on fait le Startup Weekend, ça peut aussi donner naissance à des entreprises, des vraies, pas que des projets. Et la dernière en date, c'est que nous avons là dans la cohorte actuelle le dernier qui a gagné, donc Tineo, qui lui a décroché en plus une bourse French Tech Tremplin à la BPI. Donc comme quoi aussi on peut aller trouver des financements pour justement développer son projet. Donc ravi d'être partenaire de cette édition qui est une édition effectivement un peu particulière. En tout cas bravo à l'équipe et bravo à vous les participants et bonne chance. Merci beaucoup Franck. Merci pour le soutien. Merci beaucoup tout. Franck. Ça fait plaisir d'avoir tous ces partenaires qui ont répondu présent. Oui, et on espère bien qu'un des gagnants du coup continue le projet au sein de l'accélérateur. Les gens peut-être ne nous croient pas, mais il y a des vraies boîtes qui continuent, qui existent et qui font du chiffre d'affaires, qui recrutent. Et d'ailleurs, elles sont là. Enfin, en tout cas, elles étaient là. Elles sont là. Voilà. On a bien fait les slides. On a super bien fait les slides. On a bien travaillé. Du coup, il en manque. Mais en tout cas, oui, on a Upside, qui est juste à mes côtés. Merci. Mathieu. Entre autres, on a Listen Léon, on a du coup Marion et Yannick qui ont créé Listen Léon du coup pendant un Startup Weekend. Donc s'ils sont en live, bonjour à tous les deux. On a aussi Agrove qui a fait un super parcours depuis le Startup Weekend, qui a fait Labster, qui était du coup à The Camp et qui maintenant est à la Pépinière Cleantech et du coup qui a des bureaux aussi ici. Donc on embrasse bien fort toute l'équipe d'Agrove. Et donc, il y a aussi Minute Pass, Erilon, Smart Embed, comme on l'a déjà dit, qui est partenaire, mais qui, du coup, Terence, pareil. Terence, du coup, qui est juste derrière, pas loin derrière. Qui a participé donc, cette année avec une équipe, en plus. Oui, et qui est en plus, du coup, partenaire voilà. Du SWAM. Donc là, c'est le Et enfin, il y a Navili, GeoSentinel, et c'est vérifié. Donc, c'est qu'un petit panel. Il y en a d'autres qui existent et on espère qu'il y en aura encore plein d'autres dans toutes les années à venir. Exactement. Et puis, pendant un Startup Weekend, vous avez les participants, vous avez les orgas, vous avez les jurys, mais vous avez aussi les coachs. Et on voulait faire un énorme merci à nos big coachs. Le cœur-cœur, exactement. Le beau cœur-cœur. Voilà. Pour tous ces beaux coachs qui étaient avec nous aussi dans des conditions un peu particulières depuis chez eux. Mais en tout cas, je pense que ça s'est vachement bien passé. Très bien passé. Tout le monde était très content. Donc voilà, on va les citer. Je fais la première ligne. Et David, qui est ancien participant aussi du SWAM, qui venait toujours avec ses petits Lego. Merci David. Virginie, aussi une habituée. Du coaching au SWAM. Capul Pita. Exactement. Merci Virginie. Merci beaucoup. Pierre, sur la communication. Tout à fait. Il y avait eu Stéphane aussi, sur la partie commerciale. Et Juliana, sur le marketing. Il y a eu Augustin, sur la partie tech et UX. Sophie, sur toute la partie sur l'avocat. Et Sophie, légale, voilà, Sophie qui était là aussi les 2 jours et qui a aidé pas mal de projets ce matin. Oui. Il y avait Elena aussi sur la partie design thinking, très pertinente aussi là-dessus. Michel sur tout ce qui était business et RH. Yannick, on en parlait juste avant avec Listen Léon, qui était aussi là pour coacher quelques participants sur la partie tech. Oui.
Sylvie, sur tout ce qui était finance. Et enfin, Guillaume. Guillaume. Guillaume sur la partie éthique, mais qui était aussi là. Qui était aussi là pour tester un de ses projets, mais on vous en parlera plus tard. Après. Et on a aussi eu un speaker, parce que qui dit Startup Weekend dit speaker. Donc cette année, on a eu l'immense plaisir d'avoir Arthur Aubeuf en live avec nous, qui est le cofondateur de la grosse communauté Time for the Planet, qui est une grosse communauté à impact. Donc un énorme merci à lui, parce que c'était une des conférences les plus inspirantes d'un Startup Weekend. Ah, c'était donc c'était super. C'était super. Encore un grand merci à Arthur. Et on en parlait du coup tout à l'heure. De Guillaume. De Guillaume. Karmaline, tu veux en parler un peu? Karmaline, du coup, je ne sais pas si Guillaume est dans le live ou pas. Mais en tout cas, Karmaline, c'est une application qui est encore en développement, mais c'est une application qui vous sert à développer votre karma, qui vous aide justement à faire des bonnes actions par jour. Donc, il est en train de développer cette application. On vous invite vraiment à aller voir du coup le site internet de Karmaline, voilà. Parce qu'en tout cas, il va tester un petit peu son idée en étant là tout au long du week-end, en vous proposant un challenge sur les trois jours en mode voilà, manger que des fruits, enfin manger trois fruits dans la journée, c'est des petits challenges comme ça. Pour tester un petit peu son idée aussi à lui. Donc tester encore, son concept aussi. Encore merci à lui. Merci, on espère qu'il a eu quelques retours. C'est vrai que c'est ouais, toujours c'est pas évident à distance, mais on espère voilà, qu'il a pu... En tout cas, on te réaccueillera avec grand plaisir, Guillaume, sur d'autres SWAM en physique. Ça sera peut-être plus simple. Exactement. Merci encore. Merci à nos deux intervenants, alors coach et yoga, coach pardon, pas du tout, sport et yoga. Sport et yoga. Sport et yoga. Sport et yoga. On a un peu de courbature, c'est le sport de ce matin. On m'a séché. Un grand merci, du coup, on a chacun fait une activité. Oui, tu as fait le yoga. J'ai fait le yoga qui nous a extrêmement détendu, du coup c'était hier matin, donc merci à Anne, parce qu'on a très très mal dormi. Extrêmement mal dormi. Du coup, Anne nous a vraiment permis de bien nous reposer et d'avoir un teint un peu plus frais. Donc sur le yoga. Donc merci beaucoup à elle et aussi à Bruno. Merci à Bruno parce que ce matin, voilà, j'ai les cuisses, je bouge pas trop parce que les cuisses en feu. Mais sinon, ça va, c'était cool. Petit cours de Pilates, très énergisant. Donc ça fait du bien de commencer la journée avec ça. Dans tous les cas, merci à eux d'avoir joué le jeu et aux participants qui ont regardé aussi et qui ont participer à distance avec eux, c'est top. Merci. J'espère à vous. Que vous avez pu vous défouler un peu et qu'il y a eu moins de soucis. Et puis, grand merci à Melvin et Romain, et oui. Aka Tic et Tac, et oui. Qui sont à la technique, donc vous ne les voyez pas jamais. Vous entendez de temps en temps leur voix qui intervient comme ça, comme quelque chose de mystique. c'est magique, c'est au-dessus, comme ça. On entend une grosse voix, comme ça, bien suave. C'est Melvin ou Romain. Qui parlent. Et en fait, ils sont là avec nous depuis trois jours et on les remercie vraiment beaucoup parce que ils ont fait un taf là sur la scène extraordinaire. Voilà, merci, c'est pour ça qu'il n'y a jamais merci eu de problème. Beaucoup. Donc merci beaucoup à Melvin et Romain. Et la team Orga. Ah mince. La team Orga. C'est nous ça ? C'est nous. Ah, c'est nous petits, mais c'est nous encore maintenant. Donc pourquoi on a mis Amandine à la place de Théo ? On n'a pas deux Amandine dans la team Orga. On a deux Amandine. Bon, ben on a deux Amandine. Donc, on a Théo en premier. On a Karine. On a du coup Mathieu qui est à côté de moi. Avec ma belle mèche blonde, comme ça. Voilà. On a Amandine. On a Sacha. Sacha, on a pris sa photo maintenant et on lui a mis un petit fil. Peut-être qu'il était pareil, David. Si tu t'aurais... Envoie-nous une photo. Si tu as une photo de Sacha petit, on aimerait bien. On aimerait bien. On a Lisa. Nathanaël, il n'a pas eu le temps de nous. Franchement, si t'étais le bébé sur l'album de Nirvana, je suis chaud. Hein. Ouais, c'était lui. Et on a Tiffen aussi, du coup. Et voilà. T'étais toute mimi. C'est ça. J'avais une frange, toujours la frange. On la laisse pousser. Voilà. Et là, c'était nous vendredi soir. Vendredi 16h. Encore en pleine forme, encore. Plein d'énergie, même si maintenant on l'a encore, encore plus maintenant. Non, c'était en tout cas un plaisir encore d'organiser ce beau Startup Weekend. Et on voulait surtout aussi remercier, du coup, je pense que dans le live, il y a pas mal de personnes, du coup, nos proches, nos moitiés. On voulait les embrasser beaucoup, très très fort, pour nous avoir soutenus pendant
C'est moi. Parce que le fait de réaliser un SWAM, ça se fait pas en une journée. Non. Ça se fait pas en un mois. Ça se fait presque en un an, on va dire. C'est, c'est dû une fois par semaine pendant un an, quasiment. Exactement. Donc merci à toutes, tous nos proches et nos moitiés. Oui. Et on voulait avoir une spéciale dédicace à une moitié particulière, qui est la moitié de Théo, qui est Marjorie, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc on voulait faire un gros big up à Marjo. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et promis, on rentre pas trop tard ce soir. On te le laisse. On espère vers minuit. Le plus vite possible. Oui, ben on recrute toujours, hein, parce que vous l'avez peut-être pas vu, mais on est 8. C'est ça. Maintenant, voilà. Enfin, si on l'a vu juste avant, du coup. Donc, on est 8, mais voilà, on a toujours besoin de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui viennent nous apporter leurs idées, leurs bras, enfin tout quoi. Voilà, organiser un startup weekend à 8, c'est difficile. Si on est 10, si on est 15, c'est sûrement mieux. Si on veut refaire deux startup weekends, c'est-à-dire un à Aix et un à Marseille, ça serait mieux qu'on soit un peu plus. Donc, n'hésitez pas si vous avez vous aussi l'envie de passer de l'autre côté de la scène, du coup, de l'autre côté du rideau, de voir comment ça se passe de l'autre côté. Ben, c'est avec grand plaisir qu'on vous écoutera, qu'on vous accueillera et que vous ferez partie de la super team d'Orga. Avec grand plaisir. Avec grand, grand, grand plaisir. Et ben là, ce soir, en fait, on termine tous et toutes un SWAM. Et pour les participants, on a du coup quelques petits tips, quelques petits conseils à vous donner. C'est surtout de vous reposer. Parce que demain matin, je ne sais pas si vous avez pris un jour de congé ou pas, mais j'espère en tout cas, j'espère pour eux. C'est surtout de continuer le projet. Même si vous sentez là maintenant, ce soir, ça va être un peu le stress, il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Continuez le projet, vraiment, dès demain. On a eu qui ont créé des entreprises dès le lendemain d'un Startup Weekend. C'est possible. Si vous voulez continuer, continuez-le. On sera là, tous les partenaires seront là pour vous aider. C'est ce que j'allais dire. Dites-le nous, voilà. Dites-le nous. Tenez-nous au courant, en tout cas, de vos évolutions après le SWAM. C'est super important pour nous, déjà pour vous aider ou vous aiguiller éventuellement sur les bonnes personnes, sur les bons contacts. Parce que, bon, on a quelques modestes contacts, mais en tout cas, on peut essayer de vous aider. Mais aussi, surtout, pour qu'on sache si vous êtes toujours là, si la boîte existe. Si, voilà, nous, on sera toujours fiers et très heureux de pouvoir vous aider. Dans tous les cas. Et rappelez les coachs, parce que les coachs, c'est votre premier réseau. Ils étaient là dès le début, ils ont échangé avec vous, ils vous ont vu grandir. Donc, n'hésitez pas à les rappeler, les pinguer sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook. Bon, je ne veux pas non plus qu'ils vous harcèlent non plus. Mais voilà, rappelez-les, c'est hyper important de continuer de faire grandir son réseau en tant qu'entrepreneur. Ah, le premier, c'était couche-toi à 20h. Bon, pas ce soir, mais demain. Et du coup, après, il y a aussi plein d'autres initiatives. Et on voulait du coup parler d'une initiative qui est du coup de notre partenaire, du coup, AICO, et notamment le fonds AICO pour entreprendre. Donc, c'est un fonds, c'est le prix Frédéric Chevalier. Donc, Frédéric qui était le cofondateur de AICO et de The Camp. Et du coup, ils ont lancé le prix Frédéric Chevalier. Donc, c'est un prix auquel vous pouvez candidater si vous avez moins de 30 ans et si vous habitez sur la région Aix-Marseille. Et si vous avez un projet vraiment d'impact positif, n'hésitez pas à candidater avant le 23 juin. On vous a mis le lien, prix-frédéric-chevalier.aico.com. Il y a des énormes dotations et c'est un très beau prix. Donc, on vous invite à candidater à la fin du SWAM. Et nos dotations. Alors, ce que vous voyez en jaune, ce sont les dotations du premier prix du Startup Weekend. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les dotations du deuxième prix Startup Weekend. Et en trois, le troisième. En rouge, le troisième. Ça commence. Et je vais laisser Mathieu, du coup, parler de l'accélérateur. L'accélérateur, partenaire, dotation, Franck dans le jury, c'est extraordinaire. Donc, l'accélérateur qui va offrir, du coup, aux gagnants une accélération, tout simplement, hein, pour la prochaine cohorte en mode plugin. Donc, il y a plusieurs programmes d'accélération à l'accélérateur. Le plugin, c'est le premier. Donc, c'est pour, on va dire, lancer votre projet, quoi. Donc, à la sortie du SWAM, si vous avez vraiment envie de continuer, cette dotation-là, c'est la première porte qu'il faut ouvrir pour avancer. Voilà. Il faut l'avoir. Et encore merci à l'accélérateur. C'est votre objectif, c'est...
Il faut l'avoir. En plus des petits trophées, c'est vraiment celle-là qu'il faut avoir. Exactement. C'est comme quand on est sur les manèges, quand on est petit, là, le pompon. Le pompon. C'est le pompon. Celui-là, c'est le pompon. Merci l'accélérateur M. Merci beaucoup. On a en deuxième les impacteurs, qui est complètement différent d'un accélérateur, mais qui, du coup, vous permet d'intégrer votre projet à leur programme d'accompagnement de pré-incubation qui se déroule online. Donc, vous allez avoir des rendez-vous avec des porteurs de projets et d'autres coachs qui pourront un peu vous aiguiller sur votre projet. Sur le deuxième prix, du coup, vous avez moins 25% sur leur programme d'accompagnement et exactement pareil sur le troisième. Il y a une petite faute dans le slide. On va passer aux la autres dotations. La suite des dotations, donc nous avons... Non, c'est toi qui dois faire ça. Ah non, non, mais non, tu vas parler de profit. Tiens. Donc je vais parler de Swello. Swello, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui va vous permettre de gérer, de programmer vos posts sur les réseaux sociaux. Super important quand on doit bien communiquer. Donc Swello avec Jonathan qui était un organe de start-up au compte Toulon. Qu'on remercie encore et qu'on lui fait coucou cœur, qui offre du coup aux gagnants 6 mois d'abonnement pour le premier, donc 3 mois pour le deuxième et 1 mois pour le troisième. Exactement. Et ensuite, on passe à Provide. Donc Provide, aka Mathieu. C'est encore moi, oui. Mathieu, énorme communauté du coup de filmmakers. Et donc Mathieu, du coup, Provide vous offre une demi-journée de création de scénario pour votre première vidéo et 30% de réduction du coup pour la réalisation de votre vidéo pour le premier, 20% de réduction sur une presta audiovisuelle pour le deuxième et la même chose pour le troisième. Parce que bien communiquer, c'est important. Même c'est extrêmement important. On n'a pas de produit, bah, en fait, une vidéo fait beaucoup de choses. Exactement. Oui, je fais de la pub. Désolé. On a Fastoche. Fastoche. C'est non mais vas-y parle. Peut-être que tu en parleras mieux que moi de Fastoche. Eh ben Fastoche, bah c'est Nat. C'est aussi un organisateur du coup qui est juste ici. Donc merci beaucoup à Nat. Nat qui du coup qui est développeur web et qui peut vous aider à justement parler de stratégie et de développement web. Donc il sera avec vous pour faire un mini atelier de 2 heures pour le premier, de 1 heure pour le deuxième et la même chose pour le troisième. Donc pour tous vos développements. Projet web. Exactement. Et NoSoft. NoSoft. NoSoft, c'est une application qui est un peu. J'arrive. Oui, donne. Pardon. NoSoft, donc c'est une application en fait. C'est un peu comme le WordPress des applications mobiles, si vous voulez. C'est très simple. Vous pouvez créer une application mobile en no-code. Donc c'est très intuitif, très simple à utiliser. Et donc Augustin de NoSoft, qui était coach, vous offre 6 mois d'abonnement à son application pour le premier, 3 mois pour le deuxième et 1 mois pour le troisième. Donc encore merci à NoSoft. J'ai cru entendre tout à l'heure Alexandre de Made in Soft qui nous a parlé du coup d'offrir aux participants une place pour le Go, mais j'ai cru qu'il était en train de me dire qu'il y avait autre chose à offrir, mais du coup je l'ai un peu coupé. Alors Alexandre, tu avais d'autres choses à rajouter ? Bah, nous, chez Minisoft, on s'est dit qu'on ne fait pas de distinction entre le premier, le deuxième et le troisième. Et en fait, quel que soit le projet qui gagne ou qui ne gagne pas, si nous offrirons une cotisation Minisoft à toutes les entreprises créées d'ici la fin de l'année 2021 et ici, nous, donc, fin de cotisation 2021 et toute l'année 2022. Génial. Il y a ton petit logo, on le rajoutera, mais de toute façon, Made in Soft est partenaire, donc encore merci beaucoup Alexandre et toute l'équipe de Made in Soft pour le soutien et les dotations du coup. Merci beaucoup. Je vais parler du réseau entreprendre puisque je suis lauréat du réseau entreprendre. Réseau entreprendre, qu'est-ce que c'est ? C'est une grande famille d'entrepreneurs. Il y a des membres, il y a des lauréats. Les membres, ce sont des entrepreneurs aguerris qui sont là pour justement accompagner des nouveaux lauréats. Un lauréat, quand il rentre dans le réseau entreprendre, c'est 2 ans d'accompagnement. Il a des mentors qui vont l'aider. Il peut faire appel à des task force. Il a des points bloquants sur le développement de son activité. Et le réseau entreprendre, c'est aussi un prêt d'honneur qui est accordé à l'entreprise qui devient lauréate. Donc, c'est un super réseau et il y a des super personnes qui gèrent le réseau entreprendre. Et du coup, vous aurez 1 heure de meeting. Enfin, le gagnant aura 1 heure de meeting avec Véronique Longo-Guitter qui va vous challenger à mort sur votre projet pour voir ce que vous avez dans le ventre et voir ce qu'elle pourra faire pour vous après le SWAM. Donc vraiment, on est sur
Voilà, elle va vous boxer pour voir un petit peu ce que vous avez et vous aiguiller sur les financements que vous pouvez aller chercher tout de suite et éventuellement après, peut-être, pour devenir lauréat du Réseau Entreprendre. Exactement, et merci du coup au Réseau Entreprendre pour cette belle dotation. Et la dernière, c'est nous, c'est Ex-Marseille Startup. Startup Ex-Marseille. Mais c'est du coup, notre association. C'est notre association, puisque du coup le Startup Weekend du coup, est dirigé par cette association dont on fait partie. Et donc on offre au premier lauréat 300 euros de chèque cadeau, donc que ce soit du logiciel ou du matériel, à voir en fonction de vos besoins. Exactement. Pour développer le projet, le deuxième 200 euros et le troisième 100 euros. Donc on espère qu'avec tout ça... C'est notre modeste participation. Notre modeste participation, mais on ne voulait pas, voilà. On voulait quand même... On essaye de vous donner en tout cas tous les outils et toutes les ressources possibles pour que dès demain, vous puissiez commencer à structurer votre entreprise et à y aller à fond, quoi. Voilà. Exactement. Du coup, avec toutes ces dotations, on pense que vraiment, vraiment, vous pouvez y aller. En tout cas, il n'y a plus d'excuses, quoi. Il n'y a plus aucune excuse. Sauf la zapette qui... Ah, non, c'est bon. Notre super jury qui est en face de nous. Qui est en face de nous. On en a beaucoup parlé ce week-end, même si vous ne le savez pas encore, mais on a beaucoup parlé de vous aux participants. On leur a fait un peu peur, en fait. On leur a dit, bon, il y a un super jury. Ils sont ultra compétents. Ils sont dans notre réseau depuis longtemps. Et on a vraiment envie de vous les représenter pour ceux qui sont en live et qui ne les connaissent pas. Donc, on va laisser la parole... Eh bien, aux femmes, voilà. À Bénédicte. N'oubliez pas de mettre vos masques pour parler devant les micros, s'il vous plaît. Et on va laisser du coup la parole à tous les jurys de se présenter en 10 secondes sur qui ils sont. 10 secondes, c'est... Waouh. Ben, c'est speed. Allez, 20. Très rapidement sur qui ils sont et d'où ils viennent. Merci. Bonjour. Non. Bonjour, bonjour. Bonjour, alors le challenge de 10 secondes, Bénédicte Aldebert, j'ai cofondé la société ClickDive, qui est une société qui propose des solutions de préservation et de promotion de l'environnement marin. J'ai pas pu faire plus court. Merci Bénédicte. Bonjour à tous, donc moi je suis Laurie Jugiolin, CEO d'une... société innovante qui s'appelle AltGR, qui crée des algorithmes sur mesure et de la modélisation mathématique. Mais je suis depuis peu aussi représentante de la French Tech Aix-Marseille. On va passer à Gérard Dosmont, j'ai eu le plaisir et l'honneur de défendre la marque Renault pendant 53 ans. Pendant 13 ans, Renault m'a tout appris et puis après j'ai créé 3 concessions sur 3 sites différents avec 140 personnes et on a eu la fierté d'être parmi les meilleurs. Merci. Et tu es un super mentor du Réseau Entreprendre aussi. Un, deux. Voilà. Ouais, celui-là il marche. Jean-Bernard Fabre, président fondateur de HumanFab. On est un centre de recherche et d'expertise spécialisé dans l'analyse humaine. Donc, nous adressons des diagnostics pour les sportifs, pour les gens qui ont aussi des problèmes de santé osteo-articulaire et pour les entreprises qui veulent tester l'effet de leur technologie sur l'homme. On est basé à Aix-en-Provence et on est super heureux d'être ici ce soir. Merci Jean-Bernard. Jean-Bernard qui a déjà été aussi jury et aussi speaker. Coach. Peut-être coach aussi. Et coach, les trois casquettes. Franck Arrougeau, directeur de l'accélérateur M. Ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Fondateur de plusieurs sociétés, pas forcément que des startups, des magazines. Le dernier en date, Entreprendre des territoires. Et une société qui est sous forme de ski que certains connaissent, qui est M Provence, dont je suis un sociétaire fondateur. Merci à tous les 5. Merci à tous les 5 d'être là. Oui, ça encore, nous fait chaud au cœur. On est encore ensemble pendant... quelques heures. Quelques heures. Non. On va très rapidement reprendre les critères, justement, de notre super jury. Ouais, on va rentrer un petit peu dans le... Voilà, vous les connaissez, les participants les connaissent. Pour ceux du live, vous ne les connaissez peut-être pas. Donc, on va très, très, très rapidement passer dessus. Pour les participants, vraiment, écoutez-les bien avant les pitchs, même si on vous a beaucoup rabâché ça.
Donc, trois critères. La validation marché. L'exécution et le design. Le business model. Et tout ça sur la thématique du coup qu'on a choisie pour cette année, qui est la thématique Better World, donc avec un impact important, que ce soit au niveau social, sociétal, environnemental, humain. Et comme me disait très justement tout à l'heure Laurie, membre du jury, sur l'impact, en fait, on peut avoir un impact à tout niveau pour n'importe quelle personne, donc, mais il faut un impact dans tous les cas, quand on crée des choses. Et si on rentre un peu plus dans le sujet, sur du coup la validation de vos super clients, c'est vraiment quand vous allez être sur scène ou à distance, et ben c'est tout simplement de montrer que votre problème est réel et que votre solution y répond, mais vraiment, pas juste en partie, c'est vraiment. Et c'est Yoda, du coup, qui le dit, pas moi. Pour l'exécution et le design, c'est vos premières fonctionnalités, c'est le MVP. Donc minimum viable product. Donc il faut que ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas besoin de vouloir inventer une voiture tout de suite. Ben on peut inventer d'abord la trottinette. Du moment qu'elle roule, c'est l'essentiel. Donc voilà, c'est ça, l'exécution et le design. Première fonctionnalité avant tout. Et si en plus c'est joli, c'est mieux. Et, oh, le business model. Franck connaît par cœur notre présentation. Ouais, bah la prochaine fois, il est avec nous, du coup. Oui, voilà. Peut-être. Ah, c'est... peut-être. Ah, on recrute, on a dit. On recrute. Ah oui, c'est vrai, il y a déjà le polo. Et la dernière, bah, le business model. Comment je vais faire et surtout avec qui pour faire vivre durablement mon entreprise au niveau des coûts, au niveau des ressources. Bah, comment ça va se passer concrètement. Exactement. Sur le terrain. Ha, ha. La pression monte, hein. Peut-être, bah, un on peu. Espère, on, bah, on espère un peu là maintenant, parce que ça va être le moment que ça monte un petit peu. Sans pression, il n'y a pas de soi. Mais non. Mais du coup, détendez-vous un peu. Tout va bien. Va très, très bien se passer. Tout on est là, comme toujours, avec le super... je le laisse parce que voilà, jusqu'au bout. Merci Sacha. Et bien du coup, on va bientôt, dans deux slides, laisser la parole à tous les participants pour le pitch time. Exactement. Le moment où tout se joue. Le moment où tout se joue. Donc, pour rappel, pour ceux qui sont en live sur YouTube, on a eu une vingtaine de participants, 23, ouais, pendant ce Startup Weekend, qui ont du coup travaillé sur 5 projets qui ont été sélectionnés dès le vendredi soir. On a des participants qui ont déposé des vidéos en amont sur notre plateforme. Les participants ont voté. Et du coup, voilà le résultat de ces votes. Donc, on a en premier Escadron. Nous avons Symbiose, Pépite à venir, Remember It et Influenceur local. Donc voilà. Ce sont nos 5 grands projets sélectionnés pour ce Startup Weekend. Et l'enjeu pour le jury va être de choisir les 3. Et partager, voilà. Exactement, de choisir les 3 gagnants pour cette édition Better World. Donc pour tous les participants, rappelez-vous bien de cet ordre. Oui, parce que l'ordre de la slide correspond à l'ordre de passage. Parce que tout à l'heure, on a fait un petit jeu, on a fait un blind test en live qui était plutôt sympa pour déterminer l'ordre de passage. Donc, c'était super, super. Donc, en premier, c'est Escadron qui a gagné, donc c'est Escadron qui va commencer. Avant ça, on vous rappelle juste les pitch règles. Rules, eh oui, les règles importantes. Les règles et aussi du coup pour les jurys et ceux aussi qui vont venir pitcher ici sur scène. Donc c'est 5 minutes de présentation. Tout à fait. Il y aura 5 minutes de questions-réponses avec le jury ensuite. N'oubliez pas pour ceux qui sont en ligne de nous faire signe pour changer les slides. Donc un petit comme ça. On lève la main, on fait un truc. Voilà. Enfin il faut vraiment lever la main. Il voit pas le signe, voilà. Là, un petit signe comme ça, oh. un petit hop, un petit, je sais pas. Un petit doigt levé. Mais voilà, levez le doigt, c'est bien. Un petit doigt levé. Pour passer le slide, parce que du coup, c'est Théo qui va passer les slides pour vous, je crois. Non, c'est pas Théo. Ah, voilà, c'est toi. C'est bien aussi. Voilà. Enfin, bref, faites-nous un signe, on comprend, on change le slide. Exactement. Et surtout, soyez prêts, soyez motivés, allumez votre caméra, parlez fort. Ayez une bonne connexion Internet. S'il vous plaît. Maximum possible. On a testé avant, mais on espère que tout va bien se passer. On espère. Est-ce que c'était OK en ligne pour tout le monde? Oh,
qu'est... Répondez-nous, vous avez le droit. Hein. Bon. Okay. Super. Ah, quand même. Bon. On demandait si on est. Si on était. Gens. Ouais. On demandait si on était seul ou avec le jury comme ça. Et ben, on va vous laisser la place. Ça va être l'heure de mettre le feu. Voilà. À la scène. Exactement. À la scène, chez vous, dans votre bureau, n'importe où vous êtes. Vraiment, enflammez l'endroit où vous êtes. On vous regarde. Vous allez avoir 5 minutes. Ne les gâchez pas. On a vu vos super presses. Donc, bon courage à tous. Et du coup, on va commencer avec Escadron. Et donc, on laisse la technique changer du coup des slides. On est un peu dans un... Il y en a qui sont dans des aquariums, peut-être. Il y en a qui ont laissé aussi. Le soir, c'est pour ça. Une notion de la micro. Non, mais nous, on a le droit. Hein, c'est normal. C'est normal. On est bon ? C'était la technique. Tout va bien. Escadron, est-ce qu'ils sont prêts, Escadron ? Sinon, on ne les voit pas. Alors. Escadron. Bonjour. Vous nous entendez ? Oui. Oui, on vous entend très bien. Notre signe, c'est on va lever la main. Ah non, c'est okay. Théo, t'as entendu ? Ils vont lever la main pour les slides. Hein. Il faut Escadron. Attendez. Il y a un petit écho. Il faut lever le retour, parce qu'on ne peut pas le faire sinon. T'inquiète pas, David, on enlève le retour. Ça va arriver. On va te lancer de toute façon, t'inquiète pas. J'ai pas besoin de me voir pour ça. Oui, c'est pour ça ce que j'ai dit. Hein. La voix, l'accent, l'intonation. Oui, on sent un peu le stress. Non. Allez, courage, ça va aller. On ne sait pas du coup si on... Est-ce que tout est OK pour la technique ? Est-ce que tout est OK chez Escadron ? Est-ce que tu as entendu Théo qui vont lever la main pour passer les slides ? Okay. OK, tout est OK. Eh ben, on lance le chrono et on dit bonne chance à Escadron. Allez, Escadron, c'est à vous. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et merci. Donc, il y a le retour. Alors, apparemment, il y a un retour chez Escadron, donc ça a l'air un peu compliqué pour eux. On regarde au niveau de la technique. Voir comment ça se passe. On fait un micro chez vous. En fait, vous avez votre micro. Vous pouvez parler dans votre ordinateur et ça me fait un retour. Alors, pourtant, on a tous nos petits micros de coupé. Alors, est-ce que vous n'avez pas deux fois le live ? Non. On s'entend dans le... Oui. Sinon, on fait ça. Là, on va commencer. Alors, apparemment, on nous dit dans l'oreillette de couper vos haut-parleurs. Voilà. Ok, merci. C'est mieux maintenant ? Super, le coaching à distance de la technique par Melvin et Romain. Du coup, on n'entendra pas vos remarques avant la fin de notre pitch. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, forcément, oui. C'est normal, il y en a bien. Pas. Ils ne vont pas vous interrompre voilà. Pendant le pitch. Là, c'est à vous pendant 5 minutes et on vous laisse y aller maintenant. Donc, nous connaissons tous les réunions Tupperware, ce système de vente à domicile qui nous apporte une tâche de rentabilité, de la fiabilité, et le tout dans la courbe, entièrement à l'image collective. Vente, pas du tout des yeux, mais au contraire, n'est de notre modernité. Cadre va prouver quel est un outil, un outil peut en faire un marketing. Escadron, c'est le monde de Paris, permettez-vous de faire une liberté de la population ciblée par le Graal qui est naval. Escadron, c'est le marché de vente à domicile. Nous sommes capables de toucher 100 000 commerciaux en 3 semaines, à 5 000 par vente de Paris. En effet, chaque vendeur, réunion, mobilise. Client potentiel, tous ces constructeurs qui ont viagé, personnalisés, sont réalisés par des vendeurs, formant ce pays. On prend le temps de tester, d'écouter, de s'informer, de rendre utile aux besoins des groupes. Escadron va également, avec les marques, les marques de l'abbé,
géographiquement, trois PSP, trois par l'âge, afin d'affiner les offres commerciales. Par exemple, proposer une crème de jour à Bordeaux à 12 euros, une à Marseille à 14 euros, à 10 euros, une pour les jeunes, de couleur, une pour les retraités, le rouge, de pouvoir, après avoir analysé la data de la famille commerciale, choisir le bon prix, la vente à l'avantage et le réseau de 10 millions de gens générant de 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 150 000 vendeurs. C'est un marché qui progresse de plus de 7% par an et qui est très loin d'être élevé à son apogée. Le revenu moyen d'un bon revendeur est de seulement 350 euros par mois. Escadron intervient là pour les vendeurs et pour les marques dans des gammes de produits spécifiques. En effet, le vendeur se verra augmenter considérablement ses revenus et son attractivité grâce à la capacité d'Escadron à sourcer différentes marques. Nous avons interrogé des revendeurs sur leurs freins et leurs limites en vente à domicile et le problème soulevé est le fait que d'être monoproduit rend difficile la pérennisation de leurs revenus. Escadron prend donc le meilleur de ces deux mondes et fera bénéficier ses vendeurs d'une digitalisation d'une partie de leurs ventes et continuera à toucher des commissions sur celles faites en réassort. Au début de notre présentation, nous avons présenté la partie marketing relationnel. Escadron va beaucoup plus loin que ça. Côté marque, Escadron propose, grâce à son réseau de vendeurs qualifiés et formés, une granularité très fine de la connaissance des clients. Catégories socio-professionnelles, lieux d'habitation, habitudes de consommation et bien plus, elle propose donc quatre types de services aux marques. Premièrement, les études marketing, comme expliqué précédemment. Deuxièmement, la possibilité d'organiser des ventes privées qualitatives en présentiel. Le principe est identique à ce qui se pratique aujourd'hui sur Internet, mais s'adapte aux produits nécessitant une explication, un test ou encore un essayage. Troisièmement, la possibilité de faire des opérations ponctuelles de promotion, c'est-à-dire effectuer des déstockages. Imaginons par exemple une marque de cosmétiques qui décide de changer ses packagings et qui va déstocker à travers notre réseau son ancienne collection. Enfin, de faire de l'ingénierie complète et l'exploitation de réseaux de vente à domicile pour compte de tiers. Typiquement, une nouvelle marque qui décide de se lancer dans la vente à domicile et qui nous confie la gestion de A jusqu'à Z, cette nouvelle activité. Afin de multiplier nos revenus, nous nous rémunérons à la commission sur chaque vente et par rapport aux quatre typologies de clients présentées précédemment. Elle facturera aussi des frais de déploiement, de récolte, de traitement de data et d'ingénierie. Alors, la particularité d'Escadron est d'être en 2 ans en fonds de roulement négatif. En effet, elle encaisse avant même d'avoir livré, ce qui permet d'envisager une croissance moins consommatrice de cash. Nous travaillons sans stock, puisque la marchandise est stockée chez ses fournisseurs et la logistique est sous-traitée. Les fournisseurs et les vendeurs sont payés après paiement du consommateur. Aucune avance de trésorerie n'est faite par Escadron. Aujourd'hui, la première étape consistera à recruter des vendeurs et à les tester sur des opérations promotionnelles et des petites marques. Les opérations marketing débuteront à partir de 1000 vendeurs. L'objectif, c'est 5000 vendeurs fin 2022 et 15000 fin 2023, avec un début de présence en Europe. Escadron n'a pas de concurrent direct. Par contre, nous faisons face à 4 types de concurrents. Les ventes privées, les réseaux de vente, les soldeurs et les boîtes et les grosses boîtes d'études de marketing. Nous n'avons pas la prétention d'être les meilleurs sur chacun de ces domaines. Par contre, nous sommes complémentaires à nos concurrents. Je vous ai mis sur le slide quelques exemples d'ailleurs. Nous sommes 5 stagiaires à l'accélérateur M, 1 étudiant d'Epitech, Alexandre, et 4 étudiants à l'ESCA, Jade, Alexandre et moi. Merci à vous. Merci à vous. Qu'on nous entend, est-ce qu'on nous revoit? Ou pas? Oui, c'est bon? Ok. Oui. Merci beaucoup, Escadron. Merci beaucoup. Alors, on va faire un tout petit peu plus de questions-réponses parce que vraiment, le tout début, alors je regarde les jurys, mais le tout début, je pense que vraiment, on ouais, a c'est compliqué au début. Presque rien entendu. Il faut vraiment vous approcher, le plus près de votre micro. Est-ce que c'est possible juste de repasser les 3 premières slides, au moins pour vraiment avoir l'accroche, si ça vous va? Pas de problème, pas de problème. Au moins la slide. On vous laisse la parole. Mais vraiment, approchez-vous. Parce qu'après, les 2-3 personnes d'après, ça, on vous entendait vachement mieux. Hein. Oui, exactement.
D'accord. On vous refait les deux premières slides, du coup, on vous réexplique tout. Les deux, trois premières, voilà, en gros, la problématique et la solution Escadron, ça répond à quoi? Voilà, ouais. au moins ça. Okay. Vous dites dans le chat en fait, si jamais on ne vous entend pas. Ok, merci beaucoup. Donc, nous connaissons tous les réunions Tupperware, ce système de vente à domicile qui nous apporte l'avantage de la confiance, de la proximité et de la fiabilité, et tout ça dans la convivialité. Donc, contrairement à l'imaginaire collectif, ce système de vente n'est pas du tout désuet, mais au contraire, il est d'une énorme modernité. Donc, Escadron va vous prouver qu'elle peut en faire un outil marketing exceptionnel. Escadron, c'est l'étude de marché 2.0 permettant de confirmer l'intérêt d'une population ciblée par le Graal, qui est l'acte d'achat. Escadron, c'est le marché de vente à domicile révolutionnaire. Nous sommes capables de toucher 100 000 contacts commerciaux en 3 semaines grâce à nos 5 000 de nos vendeurs à domicile. En effet, chaque vendeur, en 3 réunions de vente, mobilise 20 clients potentiels et tout ça dans un climat convivial et privilégié où des conseils personnalisés sont prodigués par des vendeurs que nous formons et qui sont passionnés. On prend le temps de tester le produit, d'écouter le client, d'en discuter, de s'informer, de se rendre utile pour répondre aux besoins du client. Escadron va également identifier les clients avec lesquels les marques pourront faire de l'A/B testing, soit géographiquement, soit par catégorie socio-professionnelle, soit par âge, afin d'affiner leur offre commerciale et tarifaire. Par exemple, proposer une crème de jour à Bordeaux à 12 euros, une à Marseille à 14 euros, une à Nantes à 10 euros, ou pour les jeunes d'une couleur bleue, pour les retraités d'une couleur rouge, et de pouvoir, après avoir analysé les datas de nos 100 000 contacts commerciaux, choisir le bon prix et la bonne couleur. Oui, ça suffit. C'est bon. Parfait, c'est bon. C'est bien. C'est bon, je clair, regarde le jury. On est bon. Voir si vous c'est avez bon mieux pour compris eux. La solution et les problèmes auxquels elle répond. Sinon, okay. Parfait. Encore. C'est bon. Non, moi, je pense qu'on est bon. Ouais. Le reste, ouais, parce qu'à partir cas, des chiffres et tout, c'était bien, on entendait bien tout à l'heure. Exactement. C'est merci parfait. À vous. Merci coup, à vous. Bravo. Merci à vous. On peut les applaudir quand on même. Applaudir. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo. On va laisser du coup la parole à notre jury qui a 5 minutes de questions pour toute l'équipe d'Escadron. Qui commence? S'il y a des questions. Ben, bravo déjà à tous les quatre. C'était super énergique. Ça, on a vraiment senti que c'était bien répété. Moi, j'ai juste une question sur le business model. J'ai du mal peut-être entendre, comprendre. Est-ce que vous pouvez me dire exactement comment vous comptez gagner de l'argent par rapport aux ventes? J'ai entendu parler de commission. Oui, donc en fait, nous avons un système plus près du micro. Donc entre 20-30% sur les ventes. Comme vous l'avez dit, nous n'avons pas de point d'enfant point, c'est-à-dire que tous les fournisseurs. Voilà, merci. Promets quand il reprend. Donc en fait, nous n'avons pas besoin. C'est-à-dire que nous sous-traitons tout ce qui est livraison, etc. Le client paie avant que nous payions nos vendeurs. D'accord, merci. Comment identifiez-vous les fournisseurs intéressés? Les produits, comment identifier les produits? En fait, on va faire la prospection classique, tout bonnement. Ça peut être des marques, des vendeurs, et voilà. Des fabricants. Les vendeurs là, qui vont vous permettre de lancer cette espèce de système pyramidal, si j'ai bien compris. Non, c'est pas un système pyramidal comme la vente, enfin, Tupperware. Du tout. Alors en fait, ça se fait à deux échelles. Pas en système pyramidal avec plusieurs catégories. Vous pouvez en dire plus un peu de ce système, s'il vous plaît? Donc en fait, il y a vraiment deux vecteurs pour nous. Ça va être justement toute la partie
avec les, oui, justement, avec nos vendeurs et puis ensuite avec les marques. Et dernière question, mais du coup, les vendeurs, vous les trouvez comment ? Ils sont, enfin, il va. C'est quoi votre point de départ pour avoir les vendeurs ? Par les moyens classiques, donc on peut faire par LinkedIn ou sur tous les sites d'annonces d'emploi classiques. Et mais bon, spécialisé dans la vente à domicile, il y en a déjà certains qui existent, mais ce serait plutôt du recrutement classique. On n'aurait pas une stratégie particulière avec un autre moyen. On a fait la prospection avec deux personnes. On a appelé deux personnes qui font déjà de la vente à domicile et qui se trouvaient aussi intéressées par notre modèle. Si vous gagnez le premier prix, quelle est la première action que vous allez réaliser pour créer votre entreprise et pour développer le projet, croître ? Quelle est la première action vraiment que vous allez faire ? Bah, en fait, là, vraiment, la première action, on l'a expliqué, c'était vraiment de recruter des vendeurs. Parce que sans ça, nous, on ne peut pas démarrer notre activité. Alors, j'ai une question. Oui, la réponse est vous allez commencer par recruter les vendeurs, c'est ça ? C'est ça. Bien. Pour ce qui est de votre assortiment, donc, vous avez parlé surtout de cosmétiques dans votre présentation, mais quels seraient les produits, selon vous, les produits les plus vendeurs, ceux qui vont vous permettre vraiment de démarrer ? Alors oui, on a plusieurs gammes pour se spécialiser. On a tout d'abord la gastronomie, on a le prêt-à-porter, donc tout ce qui est vestimentaire, on a la cosmétique, et puis les autres aussi, on avait dit tout ce qui est lié au sex shop, etc. Voilà, et tout ce qui est catégorie érotique. Voilà, tout ce qui s'essaye, qu'on peut tester, qu'on peut voir. Il y a aussi évidemment les produits ménagers et tout ce qui peut s'essayer. Ouais. Alors, tout à l'heure, dans la réponse que vous avez faite à Laurie sur votre business model, moi, je repense à la slide où vous parliez effectivement de commissions sur vente, mais aussi de frais de déploiement et de frais d'ingénierie. Pour revenir là-dessus, et que pèserait sur les trois, que pèserait les uns par rapport aux autres en termes de revenus ? La commission, ça représente 80%. De notre activité. Et comme à Tidat, c'est donc vers la 30% de commission. Ensuite, c'est, vous avez dit l'ingénierie, c'est ça ? Là, c'est tout le reste, c'est les 20% restants. Oui, c'est vous qui l'avez. 1, 2, 3. 1, 2. Vous m'entendez ? Oui, oui. C'est vous qui avez parlé donc, dans le business model de commission sur vente, de frais de déploiement et de frais d'ingénierie. Oui, oui. Donc, quel est le pourcentage sur les revenus par rapport aux trois ? Au début, ça va être vraiment les commissions qui vont représenter, je crois, 80% de nos business models, enfin de nos revenus. Enfin, de nos revenus. Mais après, en fait, c'est vraiment quand on aura plus de ventes qu'on pourra filmer vraiment un chiffre concret, quand on sera plus déployé. On insistera sur, du coup, les autres. Et donc après, ça va s'inverser, ce sera le marketing qui sera notre premier. Moi, j'ai une dernière petite question. Ouais, on va prendre deux questions du coup. Ouais. Vas-y, Bénédicte, je t'en prie. Du coup, plutôt par rapport à l'impact Better World, est-ce que vous pourriez le détailler un petit peu plus, cet impact ? Oui. Alors du coup, dans vente à domicile, il y a forcément le mot domicile, du coup, il y a forcément un aspect relationnel qui va énormément jouer, comme l'a dit Jade en introduction d'ailleurs, parce qu'il y a la convivialité, la confiance, la fiabilité. J'entendais bien, je vois que voit leur tête qu'il y a un petit problème de... On ne vous entend pas super bien, désolé. On se rapproche. Si on se rapproche, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Là, vous m'entendez ? Ok, oui, c'est mieux. Oui. Donc, du coup, je disais dans vente à domicile, il y a forcément le mot domicile, ce qui fait qu'on mise beaucoup sur la relation entre les gens. Donc, ça va les aider à entrer en contact, entrer en relation. Donc, comme l'a dit Jade, comme je viens de dire, elle a insisté sur la confiance, la convivialité,
ce qui fait que donc, ça va être notre aspect principal. Et ensuite, forcément, le fait que ça soit des ventes à domicile avec plusieurs personnes, ça va réduire l'empreinte carbone. Et ça favorise du coup évidemment la relation client-acheteur pour repère un petit peu avec tous les achats sur Internet et tout ça. Là, on essaye de remettre un peu les liens sociaux au cœur de notre activité. Merci. On va prendre la dernière question. Si... Ouais, c'était une petite dernière. C'était réponse rapide, s'il vous plaît. Sur vos frais d'ingénierie, ça va être quoi votre schéma de facturation? En gros, c'est quoi? C'est de la licence? C'est un forfait annuel? Vous avez réfléchi à ça? Et un montant éventuellement? Non, pas. Ok. Alors, il y a une toute petite dernière question. La mission, mais après, Alors oui, parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît, parce que là vraiment, on vous entend absolument pas. Il y a une dernière question, si vous pouvez. Une dernière question, s'il vous plaît. Comme tout repose sur la qualité des vendeurs. Qu'est-ce que vous faites pour attirer des vendeurs, sachant que tout le monde en cherche et qu'il y a un manque de commerciaux aujourd'hui sur le marché? Quel est votre élément attractif? Les vendeurs qui sont sur le marché, ils sont monoproduits ou monogames. Nous, ce qu'on leur propose, c'est de vendre plusieurs gammes, donc plusieurs produits. Et donc, en fait, grâce à ça, ils vont pouvoir multiplier leurs revenus. Et voilà, ce ne sont pas forcément des commerciaux, c'est des mères au foyer, c'est des retraités, c'est des gens qui peut-être veulent faire ça en addition de ce qu'ils font aussi. C'est surtout ça en fait. Ok, merci. Alors on va arrêter là. Merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir encore, bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci Escadron, merci au jury pour leurs questions. Et ben là, on va passer à un autre projet, du coup, qui est juste ici. Donc, c'est Symbiose avec Oscar, qui est présent parmi nous. Donc, on va lui laisser la place on stage. Et donc, Oscar a travaillé avec Amar pendant le projet. Et je te laisse le Saint Graal. Alors, vraiment, fais attention, parce que ces petites choses, si on les fait tomber, on va pas être très content. Et ton iPad non plus. Bon, alors je vais poser celle-là. Ouais, voilà. Fais attention, peut-être. Ouais. Et marche pas dessus, ouais, fais attention. Pas de problème. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Je suis Oscar Aguilar. Je suis architecte. Et vous me dites quand je pars? C'est vers là-bas. Ok, ça marche. Alors, je vais vous présenter Symbiose, qui est une communauté de mise en relation entre des habitants qui veulent se connecter à la nature et des habitats atypiques. Alors, je suis parti d'un constat qui est celui d'un urbaniste qui a écrit un manifeste pour une société post-urbaine qui montre qu'il y a plein de problèmes, en fait, dans les grandes villes. Il y a plein de problèmes, notamment liés à la bétonisation du monde, et au réchauffement climatique, et en fait à l'étalement de nos villes. Donc comment on peut résoudre ce genre de problème dans un moment où il y a des résistances et en même temps il y a des gens qui veulent changer de comportement. Alors moi, ce que je propose avec Symbiose, c'est de vivre dans la nature, donc de retrouver du sens dans sa vie, de changer de rythme, d'adopter un rythme beaucoup plus lent, et tous les bienfaits de s'allier aux puissances du naturel, aux puissances naturelles. Et alors, je me suis intéressé il y a 4 mois à ces tiny houses, c'est des petites maisons mobiles que vous voyez en bas à droite, et qui prônent en fait des valeurs de simplicité volontaire et le fait de réduire son espace de vie et sa consommation. Le groupe que j'ai eu, que je vais vous présenter, vous pourrez avoir un aperçu sur Facebook. On est 1000 dessus. C'est une communauté qui est extrêmement engagée. J'ai pas mis un seul sou dedans et il y a toutes les semaines beaucoup de membres qui sont là. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec Symbiose, je veux ouvrir ces habitats, ouvrir le marché à tous les habitats atypiques et alternatifs. Que ce soit de la tiny house, aux bulles, aux tipis, aux yourtes. Il y a en fait tous les habitats qui sont dans la nature. Donc ça, c'est un habitat nomade, mais il y a aussi des vannes aménagées qui peuvent se déplacer. Et ça, c'est une petite cabane qu'on pourrait mettre dans son jardin, par exemple.
Donc, face à ces, on a remarqué qu'il y avait deux besoins, deux grands besoins aujourd'hui. C'est le besoin d'être en résonance avec la nature, avec soi-même, et que les villes nous apportent plus totalement. Et un besoin économique, le fait de rentabiliser, pourquoi pas, dans une période de crise, si possible, ses fins de mois, d'arrondir ses fins de mois. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, nous mettons en relation un propriétaire avec... alors, dans notre communauté, on aime les appeler des changemakers parce que c'est des personnalités qui sont assez engagées pour changer de comportement. Et donc, ce qui se passe, voilà, ça, c'est les différents types de relations qu'on a. Donc, entre un voyageur et quelqu'un qui loue un habitat dans la nature et propriétaire nomade qui cherche un terrain. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour les vannes aménagées, pour les camping-cars de trouver un terrain. Il n'y a pas de proposition comme celle-là. Alors, il y a plusieurs bienfaits. Pour le voyageur, c'est de voyager moins cher. Pour le propriétaire de terrain, c'est d'optimiser un secteur, donc un terrain qu'il ne louait pas jusqu'à maintenant. Symbiose valorise son terrain. Et pour tous, c'est un moyen de participer à la transition écologique de notre société. Alors, sur le marché, ce sont nos différents concurrents. Nous, on s'aligne avec Gringo, on prend 10% à l'hôte et un euro symbolique aux voyageurs, histoire d'être attractif et de permettre à tous d'aller se ressourcer dans la nature et de passer un week-end, des vacances dans la nature. Hop là. Alors, sur le marché, il y a le marché de la nuit en plein air, c'est 120 millions par an. Le prix moyen d'une nuit, c'est 12 euros. On s'est dit que la première année, si... on arrivait, et on va y arriver, à avoir 2500 personnes sur Symbiose. On pouvait atteindre 55 000 euros la première année et puis grandir par la suite. Voilà notre équipe. Aujourd'hui, il manque Amar qui a développé une plateforme que j'aimerais vous montrer. Et cette phrase résume bien le projet, c'est-à-dire que la vie, elle est trop courte pour construire quelque chose dont personne ne veut. Et pour un monde, pour un better world, je vous propose de rejoindre Symbiose et d'aller vous reconnecter à la nature. Je serai heureux de vous présenter Tiny Map, le groupe qui est comme un POC, sur lequel c'est une mine d'or pour avoir des informations sur nos utilisateurs et pour cibler les personnes qu'on souhaite cibler. Mais voilà. Et je peux aussi vous montrer un premier prototype qui a été développé dans le week-end par Amar et qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Voilà, Amar, si tu nous entends, j'ai hâte de te rencontrer aussi. Voilà. Je vous remercie à tous. Merci à soi, merci à tous. Vraiment, c'était un week-end extraordinaire. Donc, je vous remercie de tout mon cœur. Merci, Oscar. Vraiment. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que je peux vous passer... est-ce que vous voulez voir... Tu veux que je leur, passe pendant, ouais, pendant les questions. Est-ce que tu as un mot de passe Le site est à l'écran, mais... Alors ça, c'est le site. Ça, c'est le groupe sur Facebook. Il y a le groupe avec tous les membres. Que vous voyez un peu le genre de communauté que c'est. Et donc ça, c'est la carte Ouais, le jury, allez-y si vous avez des questions. Oscar est là pour vous répondre. Et c'est parti pour 5 minutes de questions-réponses. Bravo Oscar pour cette présentation et ce projet. Alors, on a échangé au téléphone il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Est-ce que tu voulais candidater à l'accélérateur ? Ça tomberait bien hein, si tu gagnes. Non, plus sérieusement, sur ton projet, alors j'entends bien ces habitats atypiques. Qu'est-ce qui, selon toi, va faire la différence ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va te permettre de vraiment démarrer l'activité ? Parce qu'en fait, un groupe Facebook à 1000, c'est très bien, il y a des gens engagés. Sauf qu'il y a quand même des incontournables, les terrains,
Donc déjà les trouver, ensuite convaincre les propriétaires d'accueillir ce genre d'habitation nomade. Puis après, il y a aussi toute la communauté des personnes qui ont déjà installé des bulles, des tipis, des yourtes, etc. Comment, sur le terrain, tu vas faire pour rencontrer ces gens-là, les convaincre de faire partie de ta communauté et surtout accepter ton business model? Alors, dans un premier temps, on va cibler, pour ce qui est des propriétaires de terrain, les paysans, les terres agricoles, les syndicats forestiers. Et donc, connecter réellement, c'est des gens qui ont envie de retisser un lien, qui ont envie de partager leurs valeurs, leurs produits. Et donc, ces gens-là, j'ai la conviction qu'ils vont ouvrir leur terrain et qu'ils vont accepter que des personnes viennent dormir à côté de leur vigne, par exemple. Et ça, ça va donner envie, après, aux propriétaires privés d'ouvrir ses portes, parce qu'il va se sentir en confiance, il va voir la communauté de voyageurs qui va venir sur son terrain, qui n'a rien à voir avec en fait, c'est très dévalorisé, tous ces habitats nomades. Et donc, l'idée de symbiose, c'est vraiment de valoriser ces habitats et que les gens aient envie de les accueillir. Donc ça, c'est une chose qui n'existe pas et que nos concurrents ne sont pas. Et un autre point aussi, comment on va faire peut-être pour se différencier, c'est tout simplement d'incarner ces valeurs, de se dire, allez, on change de direction, on arrête de regarder constamment vers la ville, mais on regarde un peu la nature. Et il n'y a pas de plateforme qui met en relation tous ces acteurs de la construction alternative qui ont des bulles et qui existent déjà. Mais il n'y a pas d'agrégateur, en fait. Et donc, plus loin, et je n'ai pas eu le temps de vous le présenter, l'idée, ce serait vraiment de structurer ce marché qui est naissant, notamment des habitats modulaires, et qui, là, va exploser dans les années à venir. Et je me base sur beaucoup d'informations sérieuses. Et donc, être un des premiers sites de référencement par la suite, de mise en relation avec un propriétaire de terrain qui souhaite, par exemple, construire quelque chose dans son jardin, je le mets en relation avec un artisan, un architecte, une entreprise qui viabilise son terrain, etc., pour arrondir ses fins de mois et pour retisser du lien. Merci pour la présentation, était bien, vous étiez hyper à l'aise. On sent que vous maîtrisez votre sujet et vous en parlez avec passion. Moi, j'avais une question à propos de... C'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a une vraie recrudescence de la van life, avec des gens qui s'orientent vers ce type de voyage ou de choses comme ça, bref. Et effectivement, souvent, ils ont des problèmes pour trouver des emplacements pour dormir et pour etc. Comment, c'est un peu l'inverse de l'autre question, c'est comment vous allez faire pour que ces gens qui ont cette philosophie-là soient attirés par des terrains. Peut-être, par exemple, ça va être vachement intéressant pour les propriétaires dans la Creuse de mettre leur terrain à disposition de ces gens-là. Mais, je dis n'importe quoi, sur la Corniche à Marseille, si on a un terrain avec une vue incroyable et que je ne suis pas certain que... Alors que c'est un site attractif, comment vous allez faire pour avoir des sites attractifs pour que les voyageurs comme ça puissent être séduits? Voilà, c'est important. Alors, pour en discuter avec... Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Je ne sais pas si... Je pense avoir compris. Okay. J'ai des amis qui sont dans la communauté Van Life et qui ont un gros problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas où se mettre, où passer une nuit, deux nuits, un peu plus. Et donc, à partir du moment où on leur propose un produit où on va les mettre en relation avec une sécurité, ils ne peuvent que accepter, quitte à être un peu plus mobile et aller sur un autre terrain un peu plus loin. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le cœur de votre question, mais... Pas tout à fait. En fait, moi, ce que je me disais, c'est que les spots un peu intéressants ne seront peut-être pas forcément disponibles et accessibles, en fait. Et du coup, si on n'a pas les spots intéressants accessibles, on va avoir, des secondes zones. Et est-ce que ça... Du coup, d'avoir des secondes zones, est-ce que ça va séduire les vanlifers, quoi? Oui, alors, c'est tout à fait l'objectif. C'est d'aller dans les secondes zones. C'est pas d'aller à Marseille. Et même, je pense qu'on va adopter des critères pour avoir pour savoir quelle est la densité autour du terrain. Et ce sera un des critères majeurs. Je sais pas si on aura des terrains à Marseille, sauf effectivement dans des lieux où il y a une densité qui est très basse. Mais là, c'est un vrai projet limite urbain de se dire, allez, on valorise des terrains qui sont de seconde zone et qui sont aujourd'hui vus comme ça. Alors qu'en fait, c'est vraiment la valeur de notre territoire, tous ces espaces. Et les vanlifers, les tiny housers, tous ces gens-là qui veulent changer de mode de vie, eh ben, ils désirent que ça. Parce que si on regarde sur le groupe, toutes les photos qui tombent, c'est ma côte de bœuf dans mon jardin, c'est il n'y a personne autour de moi, regardez mon bureau, je travaille autour d'un lac. Donc c'est plus des gens qui voudront être dans la forêt, sur des terres agricoles, des choses comme ça. On va prendre une dernière question, une petite dernière question.
Je crois qu'il y a du coup le Amar que vous voyez du coup en direct. Bonjour Amar. On te voit. Bravo. On te voit. Si tu veux répondre aux questions, n'hésite pas aussi. Alors moi, je vais prendre ma. Pardon. Je vais prendre ma casquette d'ancien. Au niveau du légal, parce que quand ton concurrent direct qui a un petit peu la même chose, mais pour les lieux bâtis, c'est Airbnb, qui sont très costauds au niveau légal. Parce que si la personne qui loue le terrain veut plus partir, qui c'est qui s'en occupe, tout ça? Est-ce que t'as réfléchi à tout cette problématique complexe légal? Pardon. Oui, bien sûr. Oui, c'est effectivement une des questions qui revient souvent. Comment je fais pour me débarrasser de quelqu'un qui veut rester plus longtemps? C'est un peu sur le même principe que Airbnb, c'est-à-dire que nous, on se positionne avec des contrats, avec des assurances qu'on va faire sur mesure, dans lesquelles, si le propriétaire met le feu au terrain, malheureusement, c'est pas de notre faute, quoi. Donc, nous, on est là pour sécuriser, pour que tout se passe bien, mais on aura des limites à ce niveau-là, effectivement, ouais. Mais oui, toute la question légale, on a pris des rendez-vous avec des avocats. Il y a plusieurs volets, il y a le volet urbain, il y a le volet de la plateforme, tout simplement. Il y a plusieurs points très importants juridiquement parlant. Ouais. Merci beaucoup, Oscar. Merci beaucoup. On peut t'applaudir encore. Merci beaucoup. Merci à Amar aussi. Merci à vous deux pour ce super projet, cette super présentation. Je passe. Hop, merci beaucoup. On remonte du coup. Ah oui, merci. On remonte très rapidement pour du coup laisser la parole au prochain groupe, oui. Qui est Pépite à venir. Et donc on va leur laisser la présentation. Alors pour rappel, n'oubliez pas, parlez vraiment bien dans votre micro. Oui, c'est important parce que sinon on vous entend pas, ou alors on vous entend un mot sur trois. Ah oui, si vous pouvez faire des tests, ouais, parler, allez-y. Hein. On s'en voit si ça marche. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Vous m'entendez bien? Est-ce que ça marche? C'est bon? Oui, c'était nickel. Oui, nickel. Là, c'est très bien. On te laisse la parole. Là, c'est parfait. Les slides sont là. Parfait. Faites, n'oublie pas de faire un signe quand tu veux passer au slide d'après. Attends, le son. C'est parti. C'est bon. Tu peux y aller pour 5 minutes, top chrono. Pépite à venir, le bon filon pour ton orientation. Next. Alors, nous l'avons tous observé, la situation étudiante est dramatique, peut-être même dans votre entourage. Alors, quelques chiffres. 70% des étudiants sont complètement perdus. 85% des étudiants ont des problèmes d'orientation. Et 1 sur 5 ont eu vraiment des problèmes, des signes de stress psychologique. Il y a 2 700 000 étudiants en France. Il y a aussi 20 000 coachs de carrière, dont 800 qui sont formés tous les ans, avec un besoin de réaliser 30 heures de coaching gratuit. Alors, donc nous avons vraiment poussé notre créativité. Et nous avons réalisé un sondage pour ce week-end pour confirmer 3 points. Le premier point, c'est les étudiants ont un besoin en coaching et le reconnaissent à 65%. Un autre résultat, à 90%, ils n'ont aucune thune à dépenser. Et à 67%, ils sont prêts à échanger des services contre des séances de coaching. Alors donc, nous avons vraiment été jusqu'au bout de notre créativité et nous avons trouvé une solution qui a été approuvée et validée par des étudiants, par des grandes écoles, sur une plateforme d'échange entre coach et étudiants. Et notre sondage a été basé sur 53 étudiants et 8 coachs.
Donc la solution, ça sera bien sûr un site et une web app qui sera très conviviale, très ergonomique. Alors, ça sera simple. Nos étudiants se connectent, se présentent, mettent leurs compétences, quel type de service en ligne ils peuvent offrir. Les coachs mettent leur emploi du temps, ce dont ils ont besoin. Et ça sera un site d'échange de services entre coach et étudiant. Alors, vous allez me dire comment ça peut marcher, quel est le bénéfice. Mais on a trouvé vraiment une telle énergie. On a vraiment ces étudiants qui sont dans le stress moral, dans des situations de solitude, de décrochage. Ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin d'orientation. De l'autre côté, on a beaucoup de coachs de carrière, surtout dans leur début de carrière, qui ont besoin de reconnaissance, d'être reconnus, de témoignages positifs. Mais ils ont aussi besoin d'avoir, de développer leur réseau. Mais ça peut être aussi prendre des cours, un soutien informatique. Il y a un besoin aussi de ce côté-là et recevoir de l'énergie des étudiants. Donc, next. Il y a vraiment un moyen de tous les connecter. Alors, notre outil, c'est vraiment cette plateforme de mise en relation d'échange de services. Nous aurons besoin vraiment au départ d'un développeur, d'un administrateur. Au niveau de la structure, on veut partir sur une association pour vraiment tester notre marché et vraiment tester notre solution gagnant-gagnant pour ensuite très rapidement se reconvertir la solution dans une entreprise. Parfait. Hop. Bifo. Ah bon ? Voilà. Donc au niveau des coûts de structure, ça sera vraiment le développement du site. Il n'y aura pas de révolution technologique, il y a une révolution dans le système d'échange à coach. Donc on a besoin de développement, hébergeur, 30 000 euros la première année, puis une progression ensuite. Les sources de revenus, il y a vraiment beaucoup de sources. Il y a le mécénat, les pubs sur le site, des fonds publics, du crowdfunding. On a vraiment senti une énergie, un soutien dès le début de ce projet. Une des grandes forces aussi de notre projet, ce sont les canaux de promotion. Et là où il y a une preuve vraiment d'énergie positive pour le développement de cette pépite numérique, c'est que d'ores et déjà, l'École des Mines et l'EDEC Business School sont d'accord pour promouvoir notre projet. Et bien sûr, les réseaux sociaux, et il y a beaucoup d'associations étudiantes. Donc, rien que l'EDEC et l'École des Mines sont parfaitement répartis sur toute la France, du nord au sud. Donc, on a vraiment une belle répartition au niveau national. Next. Donc, voici notre équipe. Nous avons 3 étudiants. Alors, 3 pépites de l'École des Mines. Pépite, mine, un petit jeu de mots à retravailler, mais il y a quelque chose. On a été absolument. J'ai un écho. Et j'ai travaillé donc avec David, qui est vraiment un expert des week-end startups. Et on a été absolument impressionnés par l'énergie de nos étudiants, par leur initiative, leur implication. C'est fini. Bravo. On vous applaudit tous parce que c'était bravo, super presse. Bravo. Bravo, bravo. On t'a super bien entendu. C'est parfait. Ah, bisous et plein de bisous qui volent. Comme nos super, nos super héros. Ah là là. Merci beaucoup. Super. Merci. Merci beaucoup. On va passer aux questions-réponses des coachs. Des jurys, oui, pardon. Notre jury. Ouais. On vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, j'aurais 2 petites questions. La première, est-ce que vous pouvez détailler un peu les services de coaching ? C'est du coaching sportif, du coaching... quel type de coaching ? Et ma deuxième question, c'est quid des universités ? Puisque là, c'est très orienté étudiants d'école de commerce ou d'école d'ingénieurs. Et donc, quid des universités ?
et des universitaires, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi qui sont faites en termes de mentorat ou de voilà. Donc, ça, ce sont un peu mes deux premières questions. J'en aurais plein, mais bon, ce sont mes deux premières. Pardon, la première, c'était... des coachs. Quels sont les services de coaching sur la première? Du coach à l'étudiant, pas de coach sportif, vraiment tout ce qui sera morale, valeur, motivation, stress, vraiment connaître l'étudiant, plus un côté d'accompagnement. C'est ça qui est vraiment crucial en ce moment. Et pourquoi on a sélectionné nos cibles, l'EDEC et l'école des mines, c'est parce que nos trois étudiants viennent de cette école et que je viens de l'EDEC et que nous avons déjà des écorces. Ça sera vraiment une parfaite première étape parce qu'on est déjà intégré dans le réseau. Mais vraiment, on veut très rapidement élargir la scope vraiment au niveau national à toutes les universités car il y a vraiment un besoin crucial et vraiment énorme et on peut répondre à cette logique, à cette crise. Mais bravo pour cette présentation et surtout pour un sujet particulièrement utile pour sauver un paquet d'étudiants qui, comme vous l'avez dit précisément, sont un petit peu en perdition. Là, c'est vraiment un créneau utile, indispensable, qui devrait sauver un certain nombre d'étudiants. Bravo, merci. Oui, il y a quelque chose d'incroyable. On a une énergie avec les coachs, avec tout le monde, incroyable. Et il y a vraiment ce côté, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et c'est vraiment ça aussi, une des forces de ce projet. Ouais, merci pour la présentation. Du coup, effectivement, vous répondez à une problématique qui est très actuelle, ça c'est sûr. Par contre, donc j'ai deux questions en fait. La première, c'est est-ce que vous pensez qu'elle va durer dans le temps ? Parce que gageons que cette période Covid va s'arrêter et que les étudiants vont retrouver leur énergie qui les caractérise et leur bonne humeur qu'on apprécie tant et qu'on a tous eu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est grosso modo, alors je le vois bien sous forme associative, parce que c'est un véritable service pour le coup. Par contre, j'ai vraiment des difficultés à comprendre comment vous allez faire le transfert vers une entreprise et vers gagner un peu d'argent, quoi. Merci beaucoup. C'est vraiment des questions parfaites. La première question, c'était... durer dans le temps, parce que la période Covid, a priori, on devrait en sortir et que donc les étudiants, ils vont s'en sortir. On a vraiment questionné nos trois étudiants de notre équipe. Bien sûr, la crise a accéléré et accentué les choses, mais ça sera vraiment des effets long terme et il y aura toujours, de toute façon, ce besoin humain, ce besoin de bienveillance et d'accompagnement. Donc non, il y aura vraiment un besoin sur du long terme. Là où il y a vraiment la solution de tourner en entreprise, c'est déjà de valider ce côté gagnant-gagnant, il y a des étudiants qui sont prêts à payer un peu pour ce type de coaching. Et il y a beaucoup de coachs qu'on pourra rémunérer dans un second temps. Donc, vraiment, validation, marché, pour ensuite pouvoir rémunérer progressivement nos coachs du coaching payant. Une dernière question du côté du jury. Alors moi, j'avais peut-être encore une dernière, mais c'est peut-être plus aussi un commentaire. Est-ce que vous avez regardé un petit peu les initiatives qui se font déjà, du coup, en école pour aider et accompagner les étudiants dans cette difficulté? Bon, il faut rappeler quand même que la difficulté de la crise a touché tout le monde, pas que les étudiants. Mais c'est un public qui a été peut-être effectivement très fragilisé. Je sais que dans les universités, dès que les cours en présentiel ont réouvert, beaucoup d'étudiants ont préféré rester en télétravail. Donc, comprendre en fait ces problématiques-là, me semble-t-il, sont importantes pour vous, pour vraiment déterminer ce qui va jouer sur la motivation. Oui, merci. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu valider avec un sondage. Et on a eu c'était incroyable. On a mis notre sondage, notre enquête, à 10 heures hier soir. Et ce matin, on avait 53 réponses qui étaient vraiment toutes cohérentes. Ça, c'est David.
pardon, excuse-moi, Mickaël, je t'ai coupé parce qu'il y a une toute dernière question de Franck et après, il faut vraiment qu'on laisse la place au prochain projet. Oui, ça va être... tu as parlé dans tes revenus, tu as parlé notamment de mécènes ou de mécénat. À qui tu pensais exactement ? Est-ce que tu as eu une approche pendant le week-end d'un mécène potentiel ? Non, on a commencé la liste des associations, on a commencé à voir comment faire les démarches. On a déjà deux grandes écoles qui vont soutenir notre projet. On sait quoi faire, on va mettre les actions, mais non, on n'a pas encore contacté de mécènes. Mais comme vous, comme nos coachs, comme notre équipe, tout le monde a été pris d'une énergie extrêmement positive. Donc oui, les mécènes, on va les trouver. Oui, les mécènes, on va les lister. C'est aussi un peu mon boulot. Ça fait 20 ans que je suis responsable grand compte. Donc croyez-moi, j'ai du fichier et je vais les contacter parce que ça nous tient à cœur et qu'on va trouver le chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mickaël et toute l'équipe. On peut encore vous applaudir Bravo. Très fort. Bravo. Bravo pour ce super, super, super boulot. On va continuer du coup un peu quand même sur la thématique de l'éducation et de l'apprentissage avec le quatrième projet, avec Remember It. Et du coup, on va laisser la parole aux deux porteurs de projet. C'est Gabin et Max. C'est Gabin et Max. Ils sont deux. C'est nous. Alors. Vous pouvez nous entendre correctement ? Fait. T'es prêt, Gabin ? C'est Maxime qui commence, mais. J'arrive pas à la voir. Pas de retour. Ah, super. Est-ce qu'on peut reprendre à la première ? Oui, on revient en arrière. Allez, attention. 5 minutes, top chrono. Remember it. Au fond, c'est pas très compliqué de se souvenir de la genèse du projet. C'était il y a 54 heures. On se présente, Maxime et Gabin, cofondateurs de la start-up. On a formé une équipe plutôt polyvalente puisque je suis d'appétence dev et Gabin est d'appétence plutôt marketing communication. On s'est rencontrés de la façon suivante. Je suis arrivé et puis j'ai crié « Oh, j'ai des problèmes avec mes cours particuliers, ils oublient tout ce que je leur apprends. » Et puis tout d'un coup, il y a Gabin qui est arrivé et puis il a dit « Oh, bah moi aussi, c'est bizarre. J'aimerais bien t'aider. » Du coup, on va vous parler de Cléo. Voilà, donc moi je vous présente Cléo. Cléo, elle a 18 ans, elle est en terminale et c'est ma petite sœur. Ouais, je l'ai osé, bon, je l'ai demandé. Aujourd'hui, elle est élève chez Academia. Et Academia, c'est une société de cours particuliers privés. Elle adore son prof et elle a quand même fait quelques progrès, elle a bien progressé. Le problème, c'est qu'elle n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, pour le moment à cause de problèmes de mémorisation qui sont intrinsèques et qu'on n'a pas réussi à résoudre. Next. Voilà. Mais nous, on s'est demandé, est-ce qu'il y a beaucoup de Cléo ? Aujourd'hui, un collégien sur 5 et un lycéen sur 3 ont déjà une expérience de soutien scolaire et font appel à des cours particuliers. Le marché des cours particuliers en France, c'est 2 milliards d'euros dont 350 millions d'euros qui atterrissent dans les poches de sociétés de cours particuliers privés comme Academia ou Complétude. Alors, pour des cas comme Cléo, on a inventé Remember It. Remember It, c'est une application mobile qui est destinée à aider l'apprentissage en utilisant des méthodes pédagogiques innovantes avec un suivi qui sera ultra personnalisé par le professeur particulier et ça concernera des élèves de la 6e à la terminale. Donc, nous allons donc vous présenter un petit parcours de Cléo sur son application. Puisque Cléo, ce qui se passe, c'est qu'elle a partiel lundi. Voilà. Donc, alors, l'application, elle, va prendre en charge, du coup, l'apprentissage. Elle va s'occuper de notifier, du coup, Cléo. Elle va juste cliquer, du coup, sur la notification. Ça va l'emmener vers le logiciel. L'application, elle, va, du coup, sera séparée en deux parties, notions et exercices. Et les exercices seront basés sur des documents de recherche qui combinent des méthodes de micro-apprentissage, de gamification et des moyens mnémotechniques. Donc, alors Cléo est plutôt forte, donc elle a réussi à faire un perfect. Et du coup, elle va vite fait jeter un œil à son planning. Son planning, en fait, qui est super important puisque c'est le planning, en fait, qui va générer, du coup, les dates de répétition pour avoir
une mémorisation optimale. De plus, Cléo a des problèmes avec certaines notions, des anciennes notions, donc son professeur lui a mis un petit cours sur la factorisation. Donc maintenant, Cléo, elle est tout à fait prête. Alors, nous, notre client Acadomia, ou un leader du secteur des cours particuliers privés, il y gagne quoi ? Hop, suivant. Voilà. Alors, il y gagne un suivi client ultra personnalisé, des objectifs de performance atteints plus facilement et plus rapidement, et l'image d'une institution innovante qui cherche sans arrêt à se renouveler dans ses méthodes pédagogiques pour s'adapter aux jeunes d'aujourd'hui. Hop. Alors, notre relation client avec Acadomia, par exemple. On leur fournit une application mobile développée, expertisée par des chercheurs en sciences cognitives. Eux, en échange, nous fournissent une base de contenu pédagogique et un terrain de test avec plus de 20 000 formateurs sur le territoire français. Donc alors, c'est combien ? Nous vendons du coup des abonnements aux grandes entreprises, donc à Acadomia, et le coût c'est 34 euros par prof par année. Du coup, c'est un renouvellement de licence annuel. Donc alors, on gagne de l'argent, mais on en dépense aussi. Et notamment, on en a besoin pour tout ce qui est serveur, base de données, le matériel de développement et la protection des logiciels. On a aussi des secteurs de dépenses un peu plus classiques comme la comptabilité, domiciliation et l'assurance. Donc en tout, il nous faudrait à peu près 15 000 euros la première année pour pouvoir débuter l'activité. Donc une partie de ces coûts, elles sont justifiées par le fait qu'on ait choisi pour le moment un statut juridique de SAS qui serait créé le mois prochain. En août 2021, en tout cas sur les vacances d'été, on se met à rechercher des financements, donc par prêt bancaire ou des fonds de la BPI. En novembre 2021, on a fini de développer la version bêta de notre application. On l'a travaillée avec des laboratoires de sciences cognitives, notamment celui de l'Université d'Aix-Marseille avec le CNRS, par exemple, pour obtenir une version expertisée et vérifiée. Ensuite, en février 2022, notre objectif, c'est d'intégrer un leader de marché des cours particuliers à notre capitale. En mars-juin 2022, une phase de test, et en juillet 2022, on imagine à la fin de test... C'est terminé. Terminé. Désolé, messieurs. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Gabin. Bravo, Max. Vous pourrez parler de Ecléo, alors, je pense, pendant les questions-réponses. Exactement. C'est parti. Les coachs, les jurys, pardon, moi aussi. Je suis fatigué. Ah oui, la vidéo, oui, oui. Alors, la vidéo. Avant, oui, c'est oui, ça, avant les questions-réponses. Parce qu'on ne pouvait pas l'intégrer pendant la presse, parce qu'on ne pouvait pas partir de l'écran. Voilà, on va lancer la vidéo. Ouais, ouais. Okay. On diffuse la vidéo sur les. On va diffuser la vidéo. On diffuse la vidéo au jury. Si vous n'allez pas la voir. Ok. En tout cas, vous, participants. Si vous pouvez la recommander, du coup. Je ne sais pas s'ils la voient aussi. Si. Ah, vous allez la voir. Okay. Ils sont forts à la technique, ils sont très très forts. Ok, est-ce que du coup nous on voit le beau mock-up, est-ce que de votre côté vous la voyez aussi ? Également. Super, allez, on vous laisse du coup vraiment très rapidement la représenter. Donc alors voilà, vous arrivez sur l'interface et puis Cléo, qu'est-ce qu'elle fait ? Instinctivement, elle clique sur le premier bouton qu'elle voit, c'est le bouton d'exercice. Donc l'exercice, c'est un exercice qui a été du coup, qui utilise des méthodes de micro-apprentissage, gamification et mnémotechnique pour que ce soit beaucoup plus simple. C'est de l'apprentissage ludique, quoi. La fonctionnalité qui est intéressante aussi, c'est le planning. En fait, le planning, c'est ce qui va permettre de générer automatiquement ou à l'aide du prof particulier. Donc là, vous voyez, ce planning va permettre en fait de générer des espaces qui favorisent la mémorisation. Et de même, vous avez aussi du coup certaines notions comme la factorisation en bas. En fait, ce sont des notions qui datent, mais qui ont besoin d'être emmagasinées. Donc, le prof particulier en fait va pouvoir dire oui, il faut mettre cette notion maintenant parce qu'elle en a besoin. Donc voilà. Parfait. Super. Parfait. Super. Bravo. Concis. Belle presse. Simple, efficace. Merci beaucoup. On laisse la parole au jury. Au jury. Pour les questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, j'ai une remarque et une question. Ma première remarque, c'est que j'ai trouvé que c'était très intéressant que vous
envisagez Acadomia comme un partenaire et pas comme un concurrent, forcément. Donc, c'était intéressant. Après, vous avez parlé de 14 800 euros, je crois, de dépenses la première année. Comment vous allez vivre, vous ? Comment vous allez vivre pour mener le projet à bien, hormis les 14 800 euros, parce que je n'ai pas vu de salaire dans votre petite liste. Alors, c'est sûr que pour l'instant, en fait, ce qui a été présenté à l'écran, c'était vraiment, on parlait de l'activité, des choses assez techniques terre à terre. C'est vrai que pour le salaire, au départ, comme on a la chance d'être étudiant, on a la chance d'être également boursier. Donc, c'est quelque chose qui peut peut-être se cumuler, voilà. Oui, tu étais des statuts d'étudiant entrepreneur pour toucher les aides de l'État temporairement, le temps de la création de l'entreprise, par exemple. Ouais. C'est pas sûr ça, hein, que Pépite pouvoir. Faut voir. Oui, alors non seulement vous en faites pas forcément un concurrent, même si vous le présentez comme un concurrent au départ, mais vous en faites surtout un client. Parce que ce que vous voulez, c'est la vendre, en fait, la solution à Acadomia, à Complétude. Or, vous avez cité les deux mastodontes du marché français, mais vous savez, ce marché, il est très fragmenté. Il y a beaucoup d'offres, hein, vraiment beaucoup d'offres sur le marché. Enfin, en tout cas, vous voulez toucher les plus gros, c'est bien. En revanche, dans la timeline que tu as commencé à décrire, Gabin, la recherche de financement au mois d'août, ça va être un peu compliqué, je pense. Il faudra revoir peut-être la timeline. Bien sûr, vous avez mesuré, calibré les 15 000 euros pour le petit démarrage, mais évidemment que vous allez avoir besoin de plus d'argent. En revanche, comment vous allez chercher les étudiants ? C'est-à-dire qu'au final, les étudiants ne sont pas vraiment des clients, ce sont les bénéficiaires du service. D'accord ? Les Cléos. Hein, comment vous allez avoir 1 000, 2 000, 10 000 Cléos ? Et non pas Renault Clio. Alors, l'objectif, c'est vraiment de... La question, elle s'est vraiment posée au niveau de la pénétration du marché. On a trouvé que c'était compliqué. Il y a eu le business model s'est questionné, est-ce qu'on part sur sur à qui on vend, basiquement. C'était vraiment ça un des gros points qu'on a beaucoup travaillé ce week-end. On s'est dirigé vers vraiment comme client Acadomia et comme partenaire parce qu'on s'est dit tout simplement qu'on a mesuré qu'il y avait un vrai problème, que c'était quelque chose de presque de systémique aujourd'hui, les problèmes de mémorisation au niveau de la stimulation cognitive des jeunes adolescents, des enfants. On a pu autoriser des enseignantes, nos élèves en cours particuliers, on a nous-mêmes notre propre expérience. Et aujourd'hui, pour répondre plus précisément à votre question qui est comment on fait des clients, tout simplement, et ben aujourd'hui il faut convaincre ces mastodontes du marché ou même les entreprises qui font partie à peu près des 250 entreprises groupes de soutien scolaire qui existe aujourd'hui en France, que tout simplement le problème il existe et qu'on leur parle et qu'ils puissent inclure ça à leur offre commerciale. Nous, si on utilise ce business model là, c'est aussi parce que on juge que nous on n'a pas encore la reconnaissance pour pénétrer un marché directement et toucher directement les étudiants, les élèves et leur dire vous avez besoin de ça. Voilà, nous ça c'est vraiment être en partenaire avec justement un grand groupe et qui travaille, lui, de son côté, sa stratégie commerciale pour inclure notre solution. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, j'y reviens. Hein. Alors, OK, oui, j'ai posé la question justement pour que... Je suis désolé d'insister, mais du coup, ces opérateurs dont tu parles, Acadomia et autres, ils ont déjà effectivement les étudiants, et souvent d'ailleurs, le meilleur argument de vente, c'est la défiscalisation. Hein. Donc, c'est les parents, en fait, qui prescrivent finalement à leurs enfants pour défiscaliser. Mais là, pour le coup, vous allez avoir un problème parce que vous avez calibré 34 euros par prof et par an. D'accord ? Les profs, eux, chez Acadomia et même chez Complétude, sont libres d'utiliser les supports pédagogiques qui sont les leurs. Et vous allez devoir les transposer sur votre appli ou en tout cas sur les supports que vous allez développer, que ce soit appli, web app ou autre. Est-ce que vous pensez qu'en plus de payer 34 euros par an et par professeur, ils vont aussi vous donner les contenus pédagogiques ? Il reste 30. Alors, l'objectif, c'est de proposer en fait la solution à Acadomia. Acadomia, elle s'occupe en fait d'acquérir la solution. Les profs, eux, ne payent pas 34 euros. En fait, on a donné le titre indicatif 34 euros, mais ça reste Acadomia quand même qui s'occupe de prendre la solution. Quoi. Voilà, donc il y a des phases de test. On veut proposer un contrat avec une grande phase de testing où on prête justement certains nombres de comptes à Acadomia pour qu'ils les testent sur ses enseignants, qu'ils les fassent tester gratuitement. Et ensuite, s'il y a un vrai besoin, si ça marche, si ça répond,
derrière, nous, on transforme ça en vente avec Acadomia. Juste une petite dernière très rapide. Attention. Est-ce que vous êtes sûr que le support que vous allez développer, enfin l'outil que vous allez développer, il va permettre de maximiser la mémorisation? Parce que vous savez, enfin, j'imagine que vous êtes renseigné et qu'on ne réagit pas tous pareil pour mémoriser les choses. Il y a plusieurs canaux qui permettent de mémoriser. Et est-ce que vous êtes sûr que votre outil va permettre d'augmenter? Et si oui, de combien? On y a effectivement réfléchi. Je ne peux pas vous fournir d'informations quantitatives. Nous, on a déjà identifié des partenaires pour travailler, comme le laboratoire de sciences cognitives d'Aix-Marseille avec le CNRS, pour vraiment travailler sur cette notion de stimulation cognitive et s'assurer qu'on fournit, s'assurer vraiment qu'on fournit quelque chose qui a de la valeur. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas quantifier l'apport que ça va avoir, en tout cas. Donc ça peut être un point critique dans votre solution, en fait, parce que si finalement ça ne marche pas, ça veut dire que ça n'a pas d'utilité. Je fais exprès de vous challenger là-dessus, hein, mais voilà, c'est bien intéressant sûr. De se poser cette question quand même. Hein. D'où le fait d'être de co-construire l'application afin d'avoir des retours assez rapides et qu'on puisse du coup vite fait, enfin très rapidement, pouvoir revenir sur la solution. Du coup, faites gaffe à votre roadmap et au time to market, parce qu'à mon avis, ça va être un peu plus long que prévu. Merci Jean-Bernard. Merci à vous. Tous les jurys, merci à Remember It, ouais, très, très bonne presse, merci énormément. Et ben on va accueillir le dernier projet. Tout à fait. C'est un projet du coup qui va pitcher sur scène, donc on va laisser la place à Julie et Antoine d'Influenceur Local. On peut les applaudir déjà. Bonjour. Bonjour, nous allons vous présenter notre start-up influenceurlocal.fr. Je vais vous raconter l'histoire d'une amie, Lolita, qui est vendeuse indépendante à domicile de lingerie féminine. Elle a fait appel à une influenceuse et pour booster en fait ses ventes, sa communication digitale, et elle a rencontré des problématiques. En effet, elle a trouvé une influenceuse dans sa région, mais elle s'est rendue compte que les followers de son influenceuse n'étaient pas dans la même région. De plus, les plateformes qu'elle a utilisées sont trop complexes et les résultats de recherche ne sont pas pertinents. Également, dans la mise en place en fait du contrat avec la validation du contrat avec l'influenceuse, un contrat papier, elle a dû l'envoyer, le recevoir, c'était très long et fastidieux. Donc pour répondre à ces problématiques, nous voulons développer en fait une plateforme influenceurlocal.fr qui permet de géolocaliser les followers des influenceurs en fonction de notre propre géolocalisation. Également, en fait, dans la validation du contrat, cela se fera par une signature numérique. Et également, nous allons mettre en place en fait un matching selon différents critères. Désolée. Voilà, donc c'est ça. Ça, ce sera notre application web. Vous pouvez voir sur la carte la petite maison rouge qui représentera le commerçant. Les petits pings bleus vont représenter donc les influenceurs avec plus d'abonnés qui se trouvent à proximité de lui. En cliquant sur un petit ping bleu, vous aurez accès à la fiche de description de l'influenceur. Donc son nom, le score de matching, le nombre d'abonnés par réseau social, le tarif par placement de produit, et donc ce qui est très important dans notre application, ça va être le pourcentage de followers à proximité. Ça va permettre aux commerçants de connaître le nombre de followers de tel ou tel influenceur à proximité, et donc de potentiellement trouver des clients qui vont être, enfin des followers qui vont être ses clients par le futur.
Et il y aura aussi le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est par exemple sur Instagram, le nombre de likes et de commentaires par rapport au nombre d'abonnés pour un influenceur, et aussi les intérêts, les centres d'intérêt de l'influenceur. Donc notre plateforme possède des concurrents. Tous ces concurrents ont des caractéristiques spécifiques. Donc par exemple, Ipsy possède un ciblage géographique, d'autres se posent en tiers de confiance pour la réalisation de contrats, et d'autres encore ont des détections de faux influenceurs. Donc ce que notre plateforme propose, ce serait de réunir toutes ces caractéristiques et les améliorer. Donc on aurait la géolocalisation, le matching, et aussi la validation du contrat numériquement sur notre plateforme. Pour la validation client, on a démarché des entreprises et des influenceurs avec des Google Forms. Les entreprises contactées étaient au nombre de 12, donc majoritairement des TPE et quelques PME, donc des commerçants, des boulangeries ou même des boutiques. Donc la plupart étaient intéressés par s'inscrire ou même utiliser un outil comme le nôtre. Pour les influenceurs, donc on en a contacté 8. Leur nombre d'abonnés était entre à peu près 100 000 et 15 000 pour 5 d'entre eux, donc on peut les considérer comme des micro-influenceurs. Donc 4 étaient intéressés par l'utilisation de notre produit, et ils ont tous émis des attentes envers notre plateforme, donc par exemple la validation des contrats ou même des matchings pertinents qu'on a mis en place sur notre application. Concernant notre business model, nous allons récupérer par placement de produits 50% des commissions, payées par l'annonceur, donc la PME, et les 50% restants seront pour l'influenceur. Pour la première année, nous avons prévu un chiffre d'affaires de 135 000 euros. Et à moyen terme, le recrutement d'un business developer. La première année, donc cette année, la création de la SAS, le développement de l'application par mes soins, un développement d'une durée de 6 mois, et pour, je l'espère, un lancement de la plateforme en janvier 2022. Donc, notre équipe se constitue de moi, développeuse web. De moi, Antoine, responsable communication, mais aussi de Chari, responsable du business, Nicolas, business développeur, et Terence, qui s'est occupé de l'administratif et du financier. Merci pour votre attention. Là, vous touchez à mon métier, donc je suis ravie que vous ayez parlé d'algorithmes, de matching, que vous ayez parlé de développer des applications qui avec la géolocalisation. J'ai un peu sursauté quand vous avez parlé des lieux des followers, parce que vous savez bien qu'il y a une loi, qui nous encadre sur la RGPD, mais vous dévoilez pas les noms, donc c'est très bien. Non, c'est très bien pensé. Dans votre équipe, est-ce que vous avez pensé à... Vous n'avez pas parlé du développement algorithmique ? Donc, Le développement algorithmique se ferait donc via Bubble. Par mes soins, je suis développeuse web, et je pense que c'est un outil que je pourrais très facilement prendre en main et voilà. D'accord. Simplement. Matching, géolocalisation, etc. Je pense que la géoloc est beaucoup plus complexe. Oui, tout à fait. Voilà, à mettre en place. Okay, ouais. Que l'algo de matching qui est selon des critères en fonction d'une base de données. Oui, tout à fait. Voilà. Donc juste un point de réflexion sur ce sujet-là, mais bravo. Bravo pour votre présentation. Moi, je me poser la question aussi, vous êtes toute seule là pour développer ça. Donc vous avez dit que vous étiez spécialisée dans le web, mais c'est pas tout à fait les mêmes langages que les applications. Comment vous allez faire pour application web, c'est pas destiné à être une application mobile. D'accord. Ah pardon, voilà, j'avais pas compris. Tout à fait. Ok, donc du coup, ok, une web app. Deuxième question, 50% des revenus que vous allez garder, vous pensez pas que c'est trop élevé?
Alors, c'est une commission tout à fait assumée et en fait chiffrée pour rendre viable le projet de la start-up. Dans tous les cas, en fait, avec toutes les fonctionnalités qui vont être mises en place, c'est un coût, tout simplement. C'est un chiffre totalement possible parce que les influenceurs, ils ont quand même la réputation, entre guillemets, surtout ceux qui sont vraiment impactants, on va dire, d'être un peu diva, quoi. Donc, aller négocier ça d'entrée, alors que... Bon, c'est une question d'interrogation. En fait, ce serait une commission qui serait déjà sur le tarif. Un tarif déjà commissionné, pardon. Et en fait, on ne touche pas les gros influenceurs. C'est pas eux véritablement notre cible. On cible plutôt les micro-influenceurs, ceux qui n'ont pas l'habitude justement d'avoir une rémunération. Ils ont plutôt l'habitude d'avoir, un partenariat avec un boulanger, avoir une baguette gratuite, etc. Donc en fait, ces personnes-là n'ont pas forcément le business d'habitude d'avoir de l'argent grâce à leur partenariat. Donc en fait, on est apporteur de business. Donc en fait, cette commission ne peut pas être un frein et ne peut pas être négociée par eux, étant donné qu'on leur apporte ce business. Sachant aussi qu'on met, par rapport à nos concurrents, on ne met pas d'abonnement, qui met tous des abonnements. Voilà. Bravo pour la présentation, c'était structuré. Et puis vous touchez à un marché qui est en pleine expansion, bien sûr le marché de l'influence, sauf que vous, effectivement, vous avez pris le parti de toucher à l'influence locale. Locale. Alors locale, ça veut dire quoi? Parce que je n'arrive pas à comprendre quel est vraiment celui qui paye. Il y a plusieurs parties prenantes, il y a les commerçants, parce que le but c'est aussi de faire vendre, enfin que les commerçants vendent plus. Et mieux, vous êtes d'accord, hein? Et vous êtes parti dans votre constat et celle de la problématique qu'il fallait connaître les followers de ces fameux influenceurs. Et là, vous terminez de dire que, en fait, ces influenceurs, vous allez surtout leur permettre d'éclore, hein, de grandir, parce que finalement, ce sont des micro-influenceurs. Là, ça pose question. C'est-à-dire que, quelque part, sans parler de la technique de géolocalisation, qui va être un vrai obstacle à franchir. Là où je vous attends, c'est surtout sur un autre revenu, c'est celui du placement de produit. Donc, qu'entendez-vous par placement de produit dans votre source de revenu? En fait, un placement de produit, ça va être seulement une transaction. Le pacte, en fait, ce qui va être vendu entre l'influenceur et la PME, ça peut être donc une story, etc. Ça va être en fonction. Vous dites PME, mais on est d'accord, on parle plus de TPE là, on TPE, parle de commerce. Hein, vous avez parlé de boulangerie, vous avez parlé de. Voyez, pardon, oui. Oui, voilà, de langage. PME. Oh non, mais c'est des TPE. Et du coup, vous pensez que la TPE, quand elle va vendre un costume ou des robes ou enfin machin, elle va partager, enfin le fait que ça vienne de l'influenceur, que l'influenceur ait permis de faire venir des clients supplémentaires, ça, comment vous allez le tracer tout ça? Une des solutions, ce serait des codes promo. Ça, on peut les tracer, le nombre de codes promo qui ont été utilisés. Après, faudrait demander aux commerçants. Donc ça, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Vous en avez touché ce week-end, là, des commerçants? Vous avez réussi en... Non, mais par contre, on peut échanger après avec plaisir. Merci. Merci beaucoup à Julie, à Antoine, à toute l'équipe d'influenceurs locales. Et ben, voilà. Ça y est, il y a les 5 projets qui chaud, sont hein. passés. Oui, il fait un peu plus chaud là, ça y est, au Technopôle. Justement, ça va être le moment de prendre une petite pause. On va laisser le live un peu de côté. Donc les participants, prenez le temps pour aller boire un verre, sortir, prendre l'air. Nous, on va faire de même avec les jurys. Pendant 30 minutes. Pendant une demi-heure. Revenez ici, une demi-heure maximum. Hein. On va revenir ici, je ne sais pas quelle heure il est exactement.
Il est 19h18, oui, donc dans une petite demi-heure à peu près, revenez par ici et on aura du coup le débriefing du jury avec les trois gagnants du Startup Weekend. On vous attend tout à l'heure, revenez vite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, merci. Merci. On est de retour. On est de retour. Re-bienvenue à toutes et à tous. On espère toujours que vous allez bien. Vous êtes encore avec nous. Toujours. Pour suivre ces beaux résultats de cette édition du Startup Weekend. Exactement. On a pris une petite demi-heure. On espère que vous avez pu faire aussi une petite pause. On a passé notre temps avec nos super jurys et on a repris projet par projet pour ensuite qu'ils choisissent les trois gagnants du Startup Weekend 2021. Oui. Donc avant de vous donner l'ordre des gagnants, on va laisser la parole aux jurys qui vont faire des retours sur chaque projet. Donc là, je crois que derrière, il y a les deux projets il y a Remember It. Donc il y a Maxime qui est là, donc qui pourra nous rejoindre quand on va faire des feedbacks. Et il y a aussi du coup influenceur local. Je ne sais pas si Oscar est encore là. Je crois. Je crois qu'il était resté, Oscar. Ok, Oscar est encore là. Super. Et Terence aussi. Oui, et influenceur local. Ouais, c'est ça. Bref, pour les trois projets, on va les inviter sur scène pour avoir les feedbacks des jurys. Et pour le reste, écoutez bien. On va commencer du coup par Bénédicte pour donner son retour sur Pépite à venir. Pépite à venir, écoutez bien. Alors, le groupe Pépite, merci beaucoup pour votre présentation. On a tous beaucoup apprécié votre projet. On a bien vu la problématique sociale et vraiment l'impact social que vous avez avec votre projet. Donc ça a été vraiment très apprécié. Vous avez bien mis en valeur et en avant la problématique qui touche les étudiants, effectivement. Et on pense quand même, les membres du jury, on partage pas mal votre avis sur le fait que le coaching est très probablement une voie d'amélioration de cette problématique. Donc merci beaucoup pour vraiment ces points positifs que l'on remarque. Peut-être juste quelques points d'effort et des choses à revoir un petit peu ou à améliorer en tous les cas. C'est le modèle économique qui était peut-être un petit peu plus à améliorer ou en tous les cas un petit peu plus faible dans l'ensemble de votre présentation. Et également, on attend le MVP pour la suite de votre projet. Mais merci beaucoup. On a beaucoup apprécié l'ensemble de votre présentation. Merci. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Bénédicte. Bravo. Encore bravo à l'équipe. Super la technique. On va laisser la parole, oui, à Laurie, qui sort son micro caché. Et du coup, on va demander à influenceur local de venir sur scène pour accueillir et recueillir les feedbacks du jury. Heureux ?
Antoine et Julie, c'est ça ? Ben, bravo, félicitations, c'était une belle présentation, très bien structurée. Je crois qu'on est tous, on s'est tous accordés pour unanimement pour cela. Influenceur local, ben, c'est une belle mise en adéquation avec le développement de cette nouvelle façon de promouvoir les produits qui est l'influence. En effet, localement, ça manque, puisque ce sont des influenceurs qui sont nationaux ou du moins... C'est une belle, belle façon de découvrir ce besoin. Bon, on s'est dit, peut-être un exemple pour qu'on soit plus au clair, parce que vous avez dit que, en effet, d'ailleurs, technologiquement, ce qui est un petit peu mon credo à moi, c'est très bien, très structuré, il y a beaucoup de services, etc. Voilà, c'est l'effort peut-être... pour qu'il y ait un MVP rapide et que ça ne nécessite pas 6 mois de dev, parce que ça, c'est important, 6 mois de dev. Moi, je sais que 6 mois de dev, c'est souvent 12 mois, en tout cas dans mon équipe. Donc, peut-être sélectionner vraiment les problématiques, les services nécessaires qu'il faut pour commencer quelque chose et que vous puissiez amorcer la pompe tout de suite. Ça, c'est peut-être un chemin à aller parcourir. Voilà, pour éviter de surengénérer peut-être une application qui a toutes les chances de réussir. Bravo à tous les deux. Bravo et merci pour ce retour. On peut encore les applaudir. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. On va laisser la place sur le podium. Et ben, du coup, on va donner la parole... Qui a le micro dans la main à Jean-Bernard? C'est Remember It. Remember It, donc du coup, il y a Maxime qui est là. Donc on t'invite à aller sur scène et à découvrir l'envers du décor du Startup Weekend, puisqu'il était à distance pendant tout le week-end aussi. Donc il vient de découvrir la scène et on te laisse avec Jean-Bernard. Salut Maxime, ça fait plaisir de te voir en réel. Ok, salut, re-salut Gabin. Tout d'abord. Désolé, je suis en Allemagne, hein, donc un peu compliqué de venir vous voir. Pas de problème. pour être plus sérieux, l'ensemble des membres du jury vous félicite pour le travail effectué. La présentation était claire, était didactique. Vous avez bien adressé le marché. On a senti que vous aviez travaillé et que effectivement pendant ces 50 et quelques heures vous avez mis à profit ce temps pour faire maturer un projet qui semble plutôt bien. En tout cas, vous l'avez bien réfléchi et vous nous l'avez bien présenté. Il y a quelques axes malgré tout qui pour nous semblent à développer un peu plus et notamment tout ce qui va toucher autour du business model. Votre idée est plutôt bonne, mais on a un peu peur pour vous que les gros acteurs ils aient envie de vous manger tout cru. Donc peut-être que c'est aussi intéressant de le penser comme un service additionnel pour des acteurs un peu moins élevés et qui pourraient, grâce à vous, gagner des parts de marché. C'est une idée. En tout cas, on a félicité votre aussi volonté de valider votre technologie parce que c'est aussi un argument de vente de pouvoir dire on l'a développé avec des enseignants-chercheurs. Donc notre technologie, elle est validée scientifiquement. C'est un véritable point fort, je pense, sur lequel il va falloir vous appuyer à l'avenir. En tout cas, bravo pour ça et l'ensemble des membres du jury vous félicite pour le travail effectué. Merci beaucoup. Merci encore. Parole à Gérard, qui va faire un retour sur l'équipe d'Escadron. Escadron, oui. Vas-y, Gérard. C'est bon ? Ouais, ils doivent être dans l'écran, je pense. Oui, on est là. Bon, ben, moi aussi, je vais vous féliciter au nom du jury pour la présentation générale et l'idée très, très bonne d'essayer de remettre au goût du jour un système de vente à domicile et puis d'offrir peut-être la possibilité à certains de trouver un emploi qu'ils n'avaient pas différemment. Donc ça, c'est deux éléments intéressants. Par contre, il faut peut-être retravailler sur le fait qu'il y a
beaucoup d'acteurs et beaucoup de produits concernés pour arriver à avoir le bon interlocuteur au bon endroit avec le bon produit. Vous avez parlé de formation, mais je pense qu'effectivement, c'est un élément important parce qu'il y a aujourd'hui une grande difficulté, à recruter des vendeurs. Et a fortiori, vous voulez vous adresser à des gens qui ne l'étaient pas non plus. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut fouiller un peu tout ça. Mais l'idée est bonne, elle est intéressante et socialement utile. Merci et bravo. Merci, bravo. Merci à vous. Bravo l'équipe. Et merci au jury pour ce retour. Et le dernier retour, du coup, on va laisser la parole à Franck. Et on va demander à Oscar de venir sur scène pour recueillir les feedbacks du jury. Alors, au risque de me répéter, et de répéter mes collègues jurés, effectivement, je vais aussi, au nom du jury, t'adresser toutes nos félicitations pour le travail exécuté pendant ces 54 heures. Parce que c'est pas évident, hein, ça passe vite. Te féliciter aussi pour l'énergie. Je vais faire un vilain jeu de mots, mais le concept t'habite. Hein, alors on parle d'habitat atypique, mais il t'habite vraiment en fait. Hein. Tu es peut-être la personnalisation ou l'incarnation en fait de la tiny house. De dire que tu as mis le doigt sur effectivement une tendance forte, une tendance lourde. Le confinement n'a fait que le confirmer. On voit bien l'exode des Parisiens, ou en tout cas des grandes villes, en particulier de la capitale, vers les campagnes de province. Très clairement, il y a aussi cette tendance qui s'est installée au fil des années de retour vers la nature, vers l'authentique, le vrai. Et puis, fort de la communauté, la micro-communauté que tu as constituée, notamment la Tiny House sur le groupe Facebook, tout ça nous ont permis effectivement d'apprécier objectivement les arguments qui étaient les tiens. Donc oui, il y a probablement un business à faire autour de tout ça. Évidemment, c'était les points forts, il y a des points d'effort. Les points d'effort, ils vont se concentrer essentiellement sur la question juridique, parce que tu vas devoir faire des contrats tripartites hein, entre les utilisateurs, entre ceux qui mettent à disposition et entre ta structure à toi. Et la conséquence, c'est là aussi les sources de revenus. C'est comment, en fait, vraiment, tu vas pouvoir en vivre au bout de quelques temps d'exploitation. Donc, il y aura probablement à continuer de creuser ces deux aspects-là pour monter de belles maisons un peu partout, mais des maisons atypiques, donc des yourtes, des tipis, des tiny, des vans. Parce qu'on a parlé de... Alors, je ne connaissais même pas... Les vans, je connais bien, mais les vanlifers, je ne connaissais pas. Donc, bon, voilà, j'ai appris ça aussi. En tout cas, un grand bravo pour ce projet bien porté. Et en attendant le verdict final, tous nos applaudissements et toutes nos félicitations. Bravo, bravo. Merci. Bravo, bravo. Merci beaucoup au jury pour ces super retours. Merci beaucoup. Ouais. Et bravo à tous les porteurs de projets. Vous pouvez peut-être vous avancer un peu sur la ligne. Sur les côtés. Comme ça, Maxime, comme ça qu'on vous voit. Parce que du coup, on va passer tout de suite au podium. Ah, d'habitude, c'est... Il y a un peu plus d'énergie. On y va. Voilà. On sent un peu la pression montée. Et maintenant, le podium. Donc, on va passer tout de suite à... Ouh là là, je suis un peu stressée pour tout le monde. On va passer, du coup, à la troisième place. On va faire 3, 2, 1, crescendo. Donc, on va commencer par le troisième prix. Le troisième prix est attribué à... Ensemble. Il y a la batterie. À Pépite Avenir. Bravo. Bravo. Bravo à toute l'équipe. On espère que vous êtes super contents et contentes. On vous voit pas, nous, sur scène, c'est dommage. On espère que vous avez des... Est-ce qu'ils sont contents? Des grands smiles. Est-ce qu'ils sont contents? Ouais. Vous êtes contents? Bon, super. Mickaël, oui, on t'entend. C'est bon. Très heureux. On va se monter à la hauteur de la confiance.
Alors merci à toute l'équipe. Ouais, c'était un beau projet. On continue. On peut refaire roulement un tambour, peu de bruit. Roulement de tambour de pour le deuxième on prix. Oui, pour le deuxième prix du Startup Weekend Aix-Marseille Better World. Est attribué à Remember It. Bien. Maxime Gabin. Bravo. Est-ce qu'on leur donne leur petit trophée ou? Et non, ils sont pas finis. Là là, quel dommage. Ne regarde pas, tu vas les voir, ils sont sur scène. C'est des petits éléments sur scène, on ne sait pas encore, mais on va vous les donner. En tout cas, bravo. On vous en parle après. Merci pour tous vos retours. Merci peut-être aussi, je pense que rien que le fait d'être ici, ça nous engage, ça nous confirme un petit peu plus dans notre idée. Et du coup, je ne sais pas, Gabin, là, je ne te vois pas trop, mais moi, je suis comme un fou, là. Mais merci. En tout cas, merci beaucoup. Gabin est en ligne aussi. Gabin est en ligne. Gabin, si tu veux dire un mot. Non, c'est vraiment super qu'on ait réussi à partager vraiment ce qu'on a découvert et pensé être un vrai problème et avec quelque chose qui peut avoir vraiment un fort impact sur le long terme. Et bah, merci de votre confiance. Et franchement, c'est top. On est super contents. C'est une super nouvelle. Top. Bravo à vous deux. Bravo. On espère que vous allez bien profiter de vos dotations et continuer le projet et on espère entendre parler très vite de Remember It, de Pépite à venir et de tous les autres projets, mais aussi du premier prix. Oh là. J'ai eu un peu peur quand j'ai fait ça parce que je ne savais pas s'il y avait double truc. Parce qu'avec la zapette, on sait trop, on sait jamais. Hein. Bon, allez. On fait du bruit du coup pour le premier prix. Du Startup Weekend, Aix-Marseille. Du Startup Weekend, Aix-Marseille. Better World, 2021. Après 54 heures, du coup, d'événement. Et après un an et demi sans SWAM. Le gagnant du Startup Weekend, Aix-Marseille. En distance. Hybride. Better 2021. World. Better World. Better World. Au Technopôle de la Voix. Allez, on vous fait pas plus languir. Le premier prix est attribué à... Roulement de tambour. Roulement de tambour est attribué à Symbiose. Wouh. Bravo. Merci beaucoup. J'ai l'impression que je rêve, en fait, tout simplement, parce que cette aventure dans ce week-end, c'est juste... vous avez une équipe extraordinaire. Je tiens à remercier les coachs aussi parce que moi j'ai fait coach tout le week-end et j'ai eu l'impression de grandir énormément. Donc je remercie Guillaume, Michel et tous les autres parce que et j'aimerais Amar aussi qui est là. J'espère que t'es là, Amar. Je tiens à te remercier et merci beaucoup à vous aussi parce que vous avez su m'écouter peut-être et voir quelle était ma vision et je vous en suis vraiment reconnaissant parce que ce projet j'y tiens réellement à cœur. Et pour un better world. Donc, merci à tous et peut-être à une prochaine fois. Ah, Amar est là. Bravo, Amar. Et Amar, tu veux dire quelque chose? Ouais. Non, juste merci au jury. Merci. Voilà. Beaucoup, Amar. Et félicitations. Félicitations merci, à vous deux. Bravo, Oscar. Merci. Super projet. Bravo. Bravo. C'est top. Bravo, tout le monde. Et bravo, du coup, aux deux autres projets. À influenceur local et à Escadron. Tout à fait. Vraiment, bravo pour toutes vos participations. On espère que vous n'êtes pas trop déçus. Nous, dans tous les cas, on va continuer à tous vous suivre. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, rappelez les coachs. Et ce qui est important de rappeler, c'est William qui le disait tout le temps sur cette scène, c'est que le projet qui gagne réellement, c'est celui qui est toujours là, debout, dans 6 mois. Ce n'est pas forcément celui qui a gagné ce soir. Donc, ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas sur le podium, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. Donc, allez-y à fond, creusez les idées et dépassez-vous pour créer vos boîtes parce que bon, il n'y a pas besoin de gagner un Startup Weekend pour continuer, dans tous les cas. Exactement. Et on va vous suivre, on ne vous lâchera pas. Et donnez-nous des nouvelles, surtout. Hein. Donnez-nous des nouvelles et en tout cas, même tous les autres coachs et jurys, je pense, pourront aussi prendre des nouvelles de vous tous. On avait deux petites dernières slides.
Comme on vous l'a dit, on a des petits trophées que vous voyez par ici, mais ils sont encore cachés. Ils ont une jolie cape de super-héros comme Mathieu. J'ai enlevé la mienne. C'était le seul truc du week-end que j'aurais dû garder pour le live. Tu es une super-héroïne. Oh là là, merci, toi aussi, toi aussi. ces petits trophées, donc pour le 1, 2, 3, mais aussi pour accueillir et rencontrer toute l'équipe d'influenceurs locaux et d'escadrons, on va vous donner rendez-vous très bientôt. Oui, j'espère, en tout cas. On essaye d'ici la fin du mois, en tout cas. Mais pourquoi ? On n'a pas dit. Mais pour l'after ? Mais pour l'after. Mais oui, pour l'after. Pour l'after du SWAM, normalement. On va essayer de le faire en vrai, pour se voir sur une terrasse dehors. Enfin, voilà, c'est ça, se rencontrer, échanger, networker, de vous donner des conseils. Bref, vous rencontrer physiquement, ça nous fera du bien, ça vous fera du bien, ça fera du bien à tout le monde, à la planète aussi, la planète d'avoir un peu plus d'humains qui se re-rencontrent. Donc voilà, on est super ravis en tout cas. Et on vous tient au courant très vite du coup de la date, du lieu, de quand est-ce qu'on peut faire tout ça. Exactement. Et on va encore tous vraiment vous applaudir parce que vous avez été super, bravo, super, super pendant le week-end. Bravo à toutes et à tous. Bravo à toute l'équipe, la régie, les orgas. Bravo aux orgas, merci les jurys. Merci le jury, merci à tous les coachs. Merci à tous nos partenaires. Tous les partenaires. En tout cas, nous on a été super ravis de refaire une édition et enfin d'avoir l'énergie du Startup Weekend. Et voilà. Oui. Et c'est la fin. C'est la fin. Et on est un peu triste. Et oui. Merci encore à tous en tout cas pour d'avoir été là tout au long du week-end. Merci beaucoup. Merci. À très vite, à très vite.